Mais sachez que les désobéissants, ils ont été, donc, que représente Xavier, ont été condamnés à 5 500 € d'amende pour leur action en faveur de l'abolition de la corrida à Alès. Ah, pas Alès, Rion-des-Landes. Oui, à Rion-des-Landes. Et votre participation servira justement à couvrir ces frais. Première chose. Et deuxième chose, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Anne-Marie. Anne-Marie, cette personne est une... Elle fait vraiment partie des pionniers de la défense animale de Strasbourg. Et Anne-Marie et nous a ramené une pétition. Et cette pétition permet de s'engager contre l'extension d'un centre de primates à Oberhausbergen. Donc actuellement, il y en a 800. Il y a un projet d'extension pour passer à 1600. S'il vous plaît, engagez-vous pour dire qu'on n'en veut pas. La pétition est à la sortie. Donc si, en sortant, vous voulez prendre quelques secondes pour la signer, je vous remercie et je laisse la parole à Xavier. Merci Xavier. Merci. Bonsoir à tous. Vous allez me dire si tout de suite je parle trop fort ou plutôt si le micro amplifie trop fort, ça va? Ouais. Alors, je fais partie en effet d'un collectif qui s'appelle les Désobéissants et qui s'est formé à la fin de l'année 2006. Alors, pour ceux qui étaient au stage ce matin, ça va un peu faire redondance, mais je le présente pour les gens qui n'étaient pas là. Le collectif en question s'est formé à la fin de l'année 2006 à partir d'un petit noyau d'une vingtaine de militants qui avaient suivi Greenpeace dans une de ses campagnes historiques contre le renouvellement de l'arme nucléaire. Et Greenpeace, malheureusement, à la fin de l'année 2006, se désengage de ce combat qui nous semblait urgent parce que la France notamment, mais d'autres pays également, tentait de redonner une actualité à cette arme de destruction massive, s'il en est. Afin de la rendre plus utilisable sur le champ de bataille. Une évolution assez dramatique, discutée nulle part, qui coûte un argent fou, donc autant de richesses détournées du bien commun, des services publics, etc. Et on avait à cœur de poursuivre la campagne que Greenpeace avait déclenchée, et donc Greenpeace venait malheureusement de se désengager, de la continuer en utilisant les méthodes de Greenpeace. Donc l'interpellation spectaculaire qui confine, dans un certain nombre de cas, à la désobéissance civile. Il nous fallait nous former. Nous avons fait appel à des activistes belges très engagés dans le combat contre l'OTAN, puisque l'OTAN, la plus grande armée du monde, est l'une des plus agressives au monde d'ailleurs, est concentrée à son siège en Belgique. Donc depuis 10 ans, les camarades belges organisaient des actions consistant à envahir les locaux de l'OTAN, la base militaire protégeant l'OTAN, la base nucléaire militaire où américains et belges, parce que c'est en Belgique, gèrent conjointement des armes nucléaires, etc., etc. Leurs actions nous avaient beaucoup impressionnés. On avait jusqu'à 2000 personnes, ce qui est beaucoup en Belgique, c'est déjà beaucoup ici d'avoir 2000 personnes qui désobéissent, mais en Belgique c'est encore plus, qui prennent le risque d'une confrontation qui peut tourner à la violence face aux policiers anti-émeute et aux soldats, puisqu'il y a ces deux forces-là face aux pacifistes. Régulièrement, une fois par an il y a le gros moment, et puis régulièrement, chaque trimestre, peut-être, il y a des actions contre soit des installations militaires, soit des entreprises liées au complexe militaro-industriel. Voir tous ces militants d'âges différents, de profils différents, s'engager pour la cause de la paix, en l'occurrence, d'une manière non violente et néanmoins désobéissante, avec un certain nombre de risques, ça nous avait fortement conforté dans l'idée que la désobéissance civile était un outil indispensable à nos luttes progressistes, quelles qu'elles soient, sur la cause animale, comme sur l'environnement, comme sur la paix, comme sur bien d'autres. Et nous leur avons demandé,
à la fin de l'année 2006, de venir nous former. Et puis tout de suite, on s'est dit, mais c'est dommage de ne former que nous autres militants pacifistes. Après tout, nous ne sommes pas intéressés que par la cause de la paix ou du désarmement nucléaire. Nous sommes soucieux d'un certain nombre d'injustices qui ont lieu dans notre société. Et peut-être que nous ne pouvons pas être sur tous les terrains de lutte, mais sur tous les terrains de lutte, il y a déjà des activistes. Et ceux-ci pourraient gagner à d'abord croiser leur savoir-faire et diffuser davantage les outils de la désobéissance civile. Encore une fois, pas pour renoncer aux autres outils de mobilisation populaire, contestataire, etc. Il faudra continuer de faire des pétitions, des manifestations, des tribunes, des conférences, écrire des livres, etc. Tous ces outils restent précieux, mais bien trop souvent ne suffisent pas à l'emporter. Et le problème est que bien souvent, on a intégré nous-mêmes notre propre défaite. On va se dire, la seule chose qui est à ma portée, pour les gens qui se soucient d'agir, c'est encore pas tout le monde, mais pour les gens qui se soucient d'agir, notre horizon et notre limite en même temps va être de se dire, je vais essayer de faire passer un message, je vais essayer de sensibiliser des gens, je vais essayer d'en convaincre quelques-uns. Et c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de toute bagarre. Je vais faire une manifestation pour qu'on en parle dans la presse et que des gens apprennent la vérité ou l'information que je veux donner. Je vais aller sur un marché tracté, faire un stand, etc. pour convaincre toujours plus de gens de me rejoindre dans la colère qui me porte contre telle ou telle injustice. Il y a quelque chose de pas très rationnel dans cette logique, parce que bien sûr qu'il faut convaincre et être plus nombreux à partager des opinions si on veut que les choses changent. Mais il manque un petit lien logique. C'est pas parce qu'on est plus nombreux à ne pas être d'accord avec quelque chose que ce quelque chose change automatiquement. Il n'y a pas un nombre magique qu'il suffirait d'atteindre sur une pétition ou dans la rue en manifestant pour que tout d'un coup, les responsables de l'injustice, qu'elle soit, encore une fois, celle faite aux animaux, aux hommes, à la planète, à d'autres pays, etc., changent. Nos adversaires savent déjà que nous sommes contre la plupart des injustices qu'ils commettent. J'en veux pour preuve le fait que déjà ils évitent de nous consulter sur un certain nombre de choses. Quand ils veulent faire du mal, ils ne vont pas provoquer un large débat. Est-ce qu'on a raison de faire du mal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal de claquer de l'oignon pour une arme de destruction massive ou pour torturer des animaux? Ils ne vont pas nous poser la question, comme ça évite le problème. Et puis ils font de l'argent en général. Tout. Les injustices sont souvent motivées par des questions de profit. Donc le fait qu'on soit d'accord ou pas importe peu tant que ça rapporte des sous. Donc nous, malheureusement, on s'en tient souvent à l'expression d'une colère. Je vais dans la rue, j'espère que mon message sera entendu. Ah oui, mon message est entendu, mais il n'est pas écouté. L'adversaire peut dire, écoutez, nous sommes en démocratie, ils ont manifesté, tout va bien. Et pense très fort et je m'en fous. Et bon voilà, tout va bien. Donc bien sûr qu'il faut continuer à sensibiliser, bien sûr qu'il faut faire de la communication, bien sûr qu'il faut faire de l'éducation populaire d'une façon ou d'une autre, comme ce soir peut-être, mais ça ne suffit pas. Une fois que nous tous ici, nous aurons été convaincus de l'existence de telle injustice et de la nécessité de mettre fin à cette injustice, et il est très probable qu'on soit déjà convaincu que telle chose est une injustice, que le sort fait aux animaux est une injustice, les politiques d'austérité qui assomment tout un tas de communes pauvres, les privent de services publics, etc., et plongent des gens dans la misère, il n'y a pas beaucoup de gens que ça peut enthousiasmer cette perspective. Donc tout ça, c'est des injustices sur lesquelles déjà on est d'accord. Mais ensuite, une fois qu'on est d'accord, on va se dire, bah quoi, il faudrait qu'on soit plus nombreux. Bon, bah d'accord, on va travailler tous, et puis dans un mois, on en sera peut-être le double. Super, mais ensuite, si on est toujours plus à partager la même colère, sans pour autant avoir de capacité d'agir, de moyens de faire changer une réalité, ça ne suffira pas. On sera peut-être même davantage accablé. On aura appris à quel point il y a de l'horreur, il y a de l'injustice. Mais si vous ne m'avez pas dit comment je peux mettre fin à cette injustice, ben je ressors encore plus accablé maintenant. Vous m'avez dit la triste nouvelle que les choses sont encore pires que je ne l'imaginais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vais me suicider. Je vais boire, je ne sais pas quoi. L'idée là, c'est bien sûr de continuer à dire aux gens que malheureusement, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans cette société ou dans d'autres sociétés.
mais aussi de leur donner des perspectives d'action efficaces qui vont leur redonner le sentiment de puissance, là où ils sont dans le sentiment d'impuissance, le sentiment qu'on n'y peut rien, ou que la seule chose qu'on puisse faire, c'est de tenter de convaincre 2 personnes, 3 personnes. Imaginez à quel point cette solution elle est vaine. Vous allez vous escrimer à convaincre 3 personnes sur un marché. Et pendant ce temps-là, TF1 va retourner le cerveau à 1 million de personnes. Combien de marchés il vous faudra faire pour combattre TF1 tous les jours? C'est juste perdu d'avance. Si on s'en tient à ça. Si en revanche les 3 personnes que vous avez convaincues deviennent des activistes, alors là vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million de personnes. Parce que le 1 million de personnes qui regardent TF1 ne va pas devenir activiste. Lui, pas nécessairement en tout cas. TF1 va plutôt entretenir une certaine passivité, une certaine résignation. Et je dis TF1 comme emblème, mais ça peut être tout un tas de discours de propagande de pour nous résigner, nous faire accepter un certain nombre de choses. Et d'abord, le fait qu'on n'y peut rien, que c'est normal, que ça a toujours été comme ça, qu'en tout cas, on s'occupe de nous, restez chez vous, regardez la télé, tout va bien. L'enjeu, ce n'est pas d'être toujours plus nombreux, c'est d'être toujours plus actif. Et quand on dit actif, on veut dire efficace, bien sûr. Il ne faut pas brasser de l'air, il ne faut pas faire... Notre énergie et notre nombre étant limités, il vaut mieux l'employer, ce nombre et cette énergie, les employer au mieux. Ce qui veut dire se donner les bons moyens. Ça veut dire d'abord recommencer à penser en termes de stratégie. C'est presque devenu un gros mot tellement on n'est plus dans la stratégie. Quand je suis en colère, j'espère qu'on sera assez nombreux à vouloir descendre dans la rue pour dire qu'on est en colère. Ça nous fait une belle jambe. Ça fait une belle jambe à notre adversaire, comme s'il ne savait pas qu'il nous faisait du mal et qu'on était contre que l'on nous fasse du mal. Il s'en fout. Donc vous aurez beau être 500, 1000, 2000, 5000, bon à 1 million, peut-être que ça commence à être suffisamment de gens qui quittent le travail pour aller manifester, pour affecter l'économie. Et encore, si c'est 1 million de femmes, comme à la journée des femmes, le samedi qui manifestent pour dire à quel point la société reste sexiste, je rappelle qu'il y a une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son compagnon en France. C'est ça l'insécurité. C'est pas de se faire piquer son sac peut-être un jour dans une rue sombre parce que vous n'aurez vraiment pas de chance. Non, c'est ça la vraie insécurité. Et ça, rien n'est fait. Et des femmes ont été jusqu'à 1 million en France pour le dire pendant les 8 mars ou le samedi suivant le 8 mars. Et ça n'a eu aucun effet. Pourquoi ? Parce qu'on s'en fout que des gens défilent de point A au point B un samedi quand ils sont en vacances, ça emmerde personne. Personne et d'abord pas les employeurs qui, du coup, perdraient leur main d'œuvre, etc. Non. Donc, l'enjeu, c'est de recommencer à penser en termes de stratégie. La stratégie, c'est je veux obtenir telle victoire politique, je me donne les moyens d'obtenir cette victoire politique. Je ne veux pas juste dire que j'aimerais obtenir une victoire politique, non, je me donne les moyens de gagner. On recommence à essayer de gagner. On ne va pas gagner à tous les coups, mais on va gagner davantage que si on a déjà intégré qu'on n'allait pas gagner et que le but du jeu, c'est juste de dire qu'on est contre, qu'on n'est pas content. Voilà, la caricature de la manif, pas content, pas content. Ben oui, mais l'adversaire, il le sait qu'on n'est pas content, et encore une fois, il s'en fout. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester. Manifester peut être intéressant à un moment, pétitionner, c'est intéressant à un moment. C'est vrai qu'il faut faire passer un message, c'est vrai qu'il faut se compter, c'est vrai que ça permet à quelques médias de faire quelques articles de presse, éventuellement favorables, mais ça ne suffit pas. Donc, c'est un stade d'une lutte, mais ce n'est pas l'ensemble de la lutte. L'ensemble de la lutte, en vertu d'une réflexion stratégique, consiste à te dire « je suis à un point A, nous sommes peu nombreux, nous sommes faibles et nous sommes confrontés à une injustice ». Dont peut-être peu de gens ont conscience, ou dont déjà plein de gens ont conscience. Bon, on fait une analyse de là où on en est, et on essaie de créer le rapport de force qui va permettre de convaincre, et c'est pas loin de contraindre, un adversaire à changer de pratique ou de politique. Il le fera peut-être par conviction si vous avez beaucoup de chance, il le fera plus sûrement parce qu'il n'aura pas le choix, parce que vous l'aurez convaincu qu'il a plus à perdre à ne pas céder qu'à céder. Mais pour ça, il faut que vous soyez déterminés. Il faut que nous soyons un peu consistants. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire juste une action. Parce que parfois, on peut se dire, bon, les manifs, d'accord, on a fait, ça ne suffit pas. Je fais une action, j'appelle la presse, je fais le truc, ça passe peut-être dans tel ou tel journal ou à la télé. Et je me dis presque comme s'il s'agissait de l'attente d'un miracle que le lendemain, la chose sera différente. Non. C'est de la même façon qu'il ne faut pas réduire la lutte politique, pour quelque raison que ce soit, à simplement une stratégie de pure communication.
Il va falloir communiquer, il va falloir médiatiser, mais ça ne suffit pas. Nos adversaires peuvent vivre très bien avec des médias qui seraient à un moment contre eux. Rappelez-vous d'un certain président Bling Bling qui fête sa victoire au Phuket le lendemain sur le yacht d'un super milliardaire. Toute la presse, à ce moment-là, presque étonnamment, est vent debout contre lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait oublier 15 jours et puis tout va bien. Et il est toujours président pendant 5 ans et il nous fait pas mal de tort. Donc, passer dans les médias, c'est important, communiquer, c'est important, faire passer son message, faire l'éducation populaire, ok, tout ça, ça ne suffit pas. Donc, à un moment, il faut être vraiment embêtant. Vraiment embêtant, ça veut dire de l'action directe. Nous, on a choisi de la faire non violente. Alors, je vais en venir maintenant à un petit peu de définition et d'histoire sur désobéissance civile, action directe non violente. C'est à peu près synonyme, la désobéissance civile et l'action directe non violente. Comme on l'indique, l'action directe peut aussi être violente. L'action directe, c'est agir nous directement, c'est-à-dire sans déléguer. Comme dans certaines formes de démocratie, on nous invite plutôt à déléguer nos pouvoirs à des représentants élus. C'est une façon de faire démocratie ou de se faire confisquer la démocratie, selon les interprétations. Une autre façon de faire démocratie, c'est d'agir nous-mêmes, directement. Ça peut passer aussi par des votes dans des assemblées générales, des communes de Paris, des kibboutz, des ce que vous voulez, mais en tout cas des formes de démocratie directe, comme ça que ça s'appelle. C'est aussi, ça passe aussi par l'action directe, agir nous directement et directement sur le problème. C'est pas défiler dans les rues de Strasbourg pour dire qu'on est contre l'élevage de chiens de Mézy qui est à 3 heures, je crois, en voiture d'ici, vers Auxerre, où un chien sur 3 meurt sur l'exploitation, il y en a 10 000, et puis les autres vont dans des labos pour tester des crèmes qui ne vous rendront pas votre jeunesse de toute façon. C'est aller directement là-bas, puisque c'est là-bas que se commet l'injustice. Alors, c'est peut-être pas que là-bas. Il y a aussi dans un ministère où c'est autorisé, dans une préfecture, dans un conseil régional où on a filé des sous à ce truc, je ne sais pas. Mais à un moment, l'injustice, elle est là-bas. Donc, je ne manifeste pas ici pour dire que c'est mal ce qui se fait là-bas. Je vais là-bas et j'empêche, à la mesure de mes moyens, l'injustice, le plus possible. À l'impossible, nul n'est tenu, n'empêche qu'on peut au moins aller là-bas, perturber un certain nombre de choses. C'est drôle parce qu'il y a des manifestations, ou c'est pas drôle, je ne sais pas, des manifestations très régulièrement contre cet élevage de chiens. Je prends cet exemple, mais ça pourrait être Fessenheim dans le nucléaire, ça pourrait être des travailleurs qui se font lourder d'une entreprise qui a été rachetée par un fonds vautour. Enfin, je veux dire, les injustices sont très nombreuses. Mais si l'on s'en tient à cette question de l'élevage de chiens, pour les labos, le fait que les gens se contentent de manifester, ça m'a toujours... Alors, au moins, ils ne manifestent pas très loin. Ok, c'est sympa, mais ça n'empêche pas les chiens de mourir ou de subir le sort qui leur est réservé. Pourquoi est-ce que personne ne rentre là-dedans? Pourquoi est-ce que personne, si on ne peut pas rentrer, ne se pose à l'entrée pour que du coup personne d'autre ne puisse rentrer? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une sorte de harcèlement citoyen de cette structure, de ces gérants, de ces travailleurs, de ces sous-traitants, de ceux qui financent, etc.? Pourquoi on n'est pas plus chiant, plus embêtant, moins docile? Pourquoi on se contente gentiment de faire les quelques trucs et quelques hochets qu'on nous laisse? Manifester était très important quand c'était interdit de manifester. Là, c'était vraiment de la désobéissance civile, de l'action directe non violente. La désobéissance civile, pour faire vite sur la définition, c'est d'abord désobéir. Donc il faut qu'il y ait une loi, en général injuste, à laquelle on va décider en conscience de désobéir, parce que on a beau peut-être avoir été consulté, à un moment, la conscience a des droits. La conscience peut induire en erreur. C'est aussi pour ça qu'on choisit la non-violence. C'est-à-dire qu'on ne va commettre aucun dégât qui ne soit irréparable. Mais au nom de la conscience, on a le droit de s'élever contre une décision majoritaire. Quand on sait qu'en plus la majorité est très largement biaisée par des lobbies, des médias dominants, des pots de vin, des ceci, cela, qu'il y a un certain nombre de mécanismes démocratiques qui dysfonctionnent, on peut se dire qu'en plus la loi de la majorité n'est pas forcément juste. Mais même si la majorité, s'il y avait un vrai vote, une vraie élection, une vraie éducation, une vraie transparence, des médias libres, etc., et que la majorité décidait qu'il est juste de sacrifier des taureaux dans une arène pour rire, pour le plaisir, eh bien moi, si ma conscience est heurtée,
Je pense qu'il est, et je ne suis pas le seul, et d'autres, y compris des grands analystes et des grands théoriciens, comme Anna Arendt, comme Rawls, de la démocratie, ont décidé que la loi majoritaire avait ses limites, qu'une démocratie, c'est aussi le respect de la minorité, voire de l'individualité, du droit qu'a la conscience de dire non à un moment. Pas forcément d'imposer sa loi, mais au moins d'agir. D'agir, et après c'est l'histoire qui décide si elle avait raison, tort, si elle est venue trop tôt ou trop tard, etc. Si un jour elle devient la majorité, cette conscience en révolte, mais nulle règle majoritaire, et encore moins la loi du profit, la loi du marché, les multinationales et les employés de banque au gouvernement, n'a le droit ou ne m'imposera de taire ma conscience et de lui dire juste d'accepter ou de se résigner. Si j'estime que quelque chose est injuste, j'y vais, je tente de l'empêcher. Mais je reste non-violent parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omniscient, je ne suis pas, je peux me tromper, je le reconnais. Simplement, quand j'agis, je pense que j'ai raison. S'il y a une injustice, mon devoir de citoyen, d'être humain, de ce que vous voulez, d'animal humain, pour le coup, consiste à éventuellement désobéir, s'il le faut, si les moyens démocratiques dysfonctionnent ou ne fonctionnent pas. J'ai le droit et j'ai le devoir de désobéir. Après, je le fais civilement, c'est-à-dire, c'est la désobéissance civile, elle est civile parce qu'elle est non-violente. Ça veut dire aussi que aucun des dégâts que je vais commettre ne sera irréversible, justement parce que je peux me tromper. Si jamais il s'avérait que les OGM sont bons pour l'humanité, ce que je ne crois pas du tout, c'est pour ça que j'ai participé à des actions avec les faucheurs volontaires, eh bien au moins il n'y aura pas mort d'homme et on pourra toujours replanter. Je pourrais rembourser s'il le faut. Mais comme tout de suite dans l'état actuel de mes connaissances, je pense que c'est une injustice qui est faite à la planète et à un certain nombre de choses, eh bien j'estime de mon droit et de mon devoir d'aller dans les champs et d'arracher les maïs transgéniques, heureusement on a gagné en France, mais de bloquer les tourteaux de soja qui arrivent par bateau et autres. C'est ça la logique de la désobéissance civile. Désobéir une loi parce qu'elle est injuste, le faire civilement, le faire en non-violence, parce qu'on n'est pas Dieu, on peut se tromper, et donc on ne doit pas enlever la vie, on ne doit pas ajouter à des violences aussi que nous combattons. Combattre une injustice, c'est combattre une violence. Une injustice et une violence, c'est à peu près la même chose. Donc de quel droit pourrais-je ajouter de la violence alors que je viens m'opposer à une violence? Le but est plutôt de réduire la violence, de mettre fin à la violence que d'en rajouter. Ça, c'est sur le plan philosophique. La désobéissance civile, c'est aussi une action collective. On peut désobéir seul, en conscience. On va plutôt parler d'objection de conscience. Typiquement, au temps du service militaire obligatoire, les non-violents que nous étions objectaient au service militaire. Je refuse d'apprendre à tuer, je refuse de participer à une armée impérialiste de surcroît, j'ai rien à faire avec ça, je suis anti-armée, je suis pour la paix, donc j'ai pas, moi tout seul, au moins je n'irai pas. Quand on commence à s'organiser entre objecteurs de conscience, on passe à la désobéissance civile, qui est une forme de désobéissance collective. La désobéissance civile, elle est aussi publiquement assumée. Bien sûr qu'il y a des exceptions, qu'il y a des nuances, qu'on peut agir parfois la nuit, revendiquer le jour, qu'on peut de temps en temps cacher certains aspects de nos actions, mais globalement l'idée c'est quand même d'assumer publiquement ce qu'on a fait. Pourquoi ? Ben d'abord parce qu'on pense qu'on ne va pas gagner à 10. On ne va pas gagner à un tout petit groupe contre les multinationales, les États, les armées, les abattoirs, les ce que vous voulez. La logique du profit c'est beaucoup de monde, mais c'est surtout beaucoup de puissance. Si on reste dans cette bipolarité, nous contre eux, on risque de perdre, ils sont plus forts. Si en revanche on fait intervenir un tiers, qui est l'opinion publique, on a peut-être une chance de gagner, on a probablement une chance de gagner. Ils ne gagneront pas contre nous tous, ou contre une large portion de nous tous. Et donc si je veux convaincre l'opinion publique, il va falloir que je puisse lui expliquer pourquoi je pense qu'il y a une injustice, pourquoi je pense qu'on n'arrivera pas à lutter contre cette injustice autrement qu'en désobéissant. Et pour ça, il faut qu'elle puisse me connaître, me voir, m'entendre. Donc il ne faut pas que je me cache. Si je me cache, on ne sait pas qui je suis. Mon adversaire va dire des choses de moi qui sont probablement fausses, puisqu'il a un intérêt radicalement opposé au mien. Et l'opinion publique, du coup, va fantasmer sur moi, et pas au bon sens du terme. Donc elle ne sera pas solidaire le jour où je me ferai attraper. Parce que l'action clandestine,
on en a parlé longuement dans le stage, c'est pas la garantie que vous échapperez, que le lendemain matin vous reprendrez une existence normale, non. Vous pouvez agir la nuit, vous pouvez mettre une cagoule, vous vous ferez prendre. On se fait toujours prendre. Tant mieux. Ça veut dire que vous allez répéter suffisamment de fois l'action. Si vous faites qu'une action par vie, vous ne ferez peut-être pas prendre. Mais vous n'aurez pas servi à grand-chose non plus. C'est à vous de voir. Mais si vous agissez régulièrement, bien sûr qu'ils vous attraperont. C'est logique. Je veux dire, les drones, les caméras, les ADN, les flics, les juges, les machins, les trucs, les témoins, les bons citoyens, voisins vigilants à la con, etc. Tout ça, ça marche. C'est pas, voilà, ça marche. À un moment, on se fait prendre. C'est pas grave. Si on a choisi d'assumer ce que nous défendons, y compris notre action, si on n'a aucune honte à avoir parce qu'on a le sentiment d'être dans le juste, alors on a presque tout intérêt à être pris. Parce que le jour où on est pris, les gens, ils ont entendu parler de nous. On ne s'est pas caché, on a communiqué, on a été filmé, on a revendiqué, on a ce que vous voulez. Ils savent qui on est. Ils savent qu'on n'est pas des fous. On parle comme eux, on s'exprime gentiment, mais on explique qu'il y a des problèmes. Et que ces problèmes sont inacceptables, qu'on a essayé la pétition, la manif, qu'on a demandé gentiment, et qu'en face, on a eu le mépris, la tromperie. Et donc à un moment, bien sûr qu'on a envahi, on a occupé, on a bloqué, on a désobéi. Bien sûr. Il le fallait, on n'avait pas le choix. Ça peut se comprendre de beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens peuvent se rappeler que dans le passé, il a fallu désobéir. Bien sûr, dans des situations extrêmes, mais aussi dans des situations beaucoup moins extrêmes. Et si l'on a des droits démocratiques dans cette sorte de fausse démocratie, mais quand même un peu, vaut mieux une fausse démocratie qu'une vraie dictature, il y a des marges encore. Dans cette fausse démocratie, il y a quand même des droits démocratiques. Comment on les a eus? On a demandé gentiment et ils ont vu la lumière, ils nous les ont donnés, le droit de manifester, le droit de faire grève, le droit de voter pour les femmes, la liberté des esclaves, tout ça, ça a été donné gentiment parce qu'un jour ils ont réalisé qu'ils étaient dans l'erreur. Mais non, pas du tout. Il a fallu l'arracher. Les femmes ont dû arracher des droits aux hommes. Ils étaient bien contents quand même que ce soit toujours les mêmes qui passent l'aspirateur. Bon, c'est pas encore complètement réglé, je vous l'accorde. Les citoyens, les pauvres, ont dû se battre très largement de manière non violente pour obtenir le droit de vote, le droit d'élire, le droit de dire non, le droit de... etc. Le droit du travail est très largement issu d'actes de désobéissance. Croyez-vous que les employeurs, quand ils faisaient travailler dans les mines à 8 ans les baumes, ils étaient enclins à nous donner des congés payés, des formations, le respect, le vouvoiement, le syndicalisme? Non, tout ça, il a fallu se battre. Et principalement, on s'est battu comme ça. On a croisé les bras au lieu de bosser. Ça s'appelle la grève. À ce moment-là, c'était interdit, c'était désobéissant, c'était collectif, c'était publiquement assumé, et c'était non-violent. Et ça a été sacrément efficace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est légal. Ça, faut se méfier souvent. C'est une victoire, mais parfois, ils essaient de la réduire. Bien sûr, il faut se battre pour que tout ça devienne légal. Sauf qu'au moment où c'est légal, il faut garder les petites lignes dans les contrats, dans les lois. C'est bien encadré, il y a un cofinancement des syndicats, il y a plein de trucs qui font que tout ça là-dedans, ben, on fait des grèves d'une journée, on rentre chez soi, on a emmerdé un peu le monde et on n'a rien gagné. Et l'adversaire, il se réjouit et le lendemain, on travaille encore plus durement, on est encore moins payé, les actionnaires font la fête et quoi. Bref, se rappeler que dans notre histoire, il a fallu se mobiliser par la désobéissance civile, donc désobéir à la loi, pour gagner de nouveaux droits, ça fait toujours du bien. Redire aux juges que la plupart des, peut-être pas la plupart, mais une partie des lois qu'ils font appliquer quand ils veulent nous condamner pour désobéissance sont issues de désobéissance. Le désobéissant n'est pas contre la loi, il n'est pas contre un outil du vivre ensemble, il est contre la sacralisation de la loi. Une loi qui aurait toujours raison, ça n'existe pas. Une loi qui serait qui ne serait pas sous influence d'un certain nombre de pouvoirs et de contre-pouvoirs, ça n'existe pas. Et donc, parfois, il y a des lois justes qu'il faut défendre et auxquelles il faut se soumettre. Et puis, il y a aussi des lois injustes. Et pour les mêmes raisons qu'on doit obéir à une loi juste, on doit désobéir à une loi injuste. Sinon, on s'en fait complice de l'injustice qu'elles permettent de couvrir, ces lois-là. Ça, ce sont des gens comme... D'abord, Étienne de la Boétie, pour faire une petite histoire de la désobéissance civile. Étienne de la Boétie, au XVIe siècle, un jeune de 18 ans, habite Montaigne, mort trop tôt malheureusement, mort très peu de temps après,
Il écrit un magnifique texte de la servitude volontaire, ou le discours sur la servitude volontaire, il y a plusieurs titres, mais qui dit cette chose simple, c'est que l'oppression, l'injustice, la tyrannie, tout ce que vous voulez, la tyrannie contre les animaux, comme contre les humains, comme la destruction des forêts, le pillage, etc., tout ce que vous voulez comme injustice, toutes ces injustices, pour perdurer, elles ont besoin de notre complicité. C'est-à-dire que le tyran a beau être le plus violent, le plus brutal, le plus puissant, le plus totalitaire, ce que vous voulez, il n'y a pas en permanence un policier derrière nous, pour nous garder, pour nous surveiller, etc. Donc on a toujours des marges de manœuvre. Alors on a plus ou moins peur, le risque est plus ou moins grand, évidemment. Et d'ailleurs, quand je vais faire de l'action de désobéissance dans des dictatures, profitant du privilège que j'ai d'être européen, d'un État fort qui probablement hésitera avant de me laisser torturer dans un commissariat là-bas, mais on n'est jamais sûr, hein, mais on tente, je me dis, mais ces gens ont un courage considérable que j'ai même pas à désobéir tous les jours dans des situations abominables. Et nous, en France, où on a beaucoup de marge de manœuvre, grâce aux désobéissances du passé, grâce aux désobéissances de nos parents, grands-parents et autres, on est tellement peu à les utiliser. Comment ça se fait? On risque pas une balle comme en Syrie. La révolution syrienne a commencé par des non-violents, mais il n'en reste plus beaucoup. Ils ont été bombardés du ciel, assassinés, etc., torturés, j'en ai connu. Ils avaient un courage de fou. On n'a même pas besoin de ce courage-là. Pourquoi est-ce qu'on est si docile? Pourquoi est-ce qu'on n'embête pas systématiquement les meetings politiques, les conférences de presse? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus à désobéir à l'impôt, à développer des moyens de résistance concrets, des espaces, etc. Pourquoi est-ce qu'on est si respectueux de la loi? Pourquoi est-ce que l'endoctrinement, le gendarme dans la tête qu'on nous met dès la naissance, il est si fort encore, alors que le risque est faible? Qu'on a des ressources, qu'on a de l'éducation, qu'on a des réseaux, qu'on ne va pas mourir dans un commissariat facilement. Mais ça arrive sur certaines catégories d'entre nous, malheureusement, trop souvent, mais quand même beaucoup moins qu'en Syrie ou en Irak. Donc si là-bas on est capable parfois de renverser des Ben Ali ou des Moubarak, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus actif? Alors, j'en reviens à la définition et l'histoire un petit peu. Étienne de la Boétie dit cette chose simple. D'abord, ne plus être complice. D'abord, réduire au maximum sa complicité. Quand il y a le policier à côté de moi, j'obéis. D'accord, je ne suis pas obligé d'être un héros. Mais quand il n'est pas à côté de moi, pourquoi est-ce que je continue d'obéir? Pourquoi est-ce que je ne fais pas semblant d'être bête, de ne pas comprendre, de perdre les papiers, de retarder? Vous n'imaginez pas tout ce qu'on a été capable de faire, même sous le nazisme, en Allemagne, ou en France, ou dans plein d'autres pays. Des commissaires de police et des policiers qui ont saboté des rafles. Bon, il n'y en a eu qu'un, commissaire. À Nancy. À Nancy ou à Nantes, j'ai un doute. C'est une des deux villes et je les confonds toujours. Pourtant, du coup, ce n'est pas exactement la même région. Je crois que c'est Nancy. Je crois que c'est plus près de chez vous. En tout cas, dans ce commissariat, ils ont refusé de rafler, mais ils ne l'ont pas fait ouvertement, sinon ils étaient morts immédiatement. Ils ont fait fuiter auprès du maximum de personnes juives qu'ils connaissaient, et puis ils ont fait semblant de ne pas parler allemand, et c'est facile, il y a plein de gens qui ne parlaient pas allemand, de perdre les papiers, de jouer au con, de faire l'hyper bureaucrate, etc., etc. Et ça a saboté concrètement la rafle, et ça a sauvé des vies. Et ça, c'est beaucoup plus facile que de dire « non, stop, je ne ferai pas », parce que là, on risque d'être mort quand il y a une dictature, une occupation totalitaire, etc. Donc nous, pourquoi on ne fait pas ça plus souvent? Au moins ça. Étienne de la Boétie dit « Commençons déjà par coopérer le moins possible, par être le moins possible complice. » Donc chaque fois que je le peux, j'utilise les marges, je désobéis, je joue à l'idiot, je ralentis le processus, je bloque la machine, je crée de la dissidence, je crée du flou, je crée du bazar, je crée autre chose, mais en tout cas je ne coopère pas docilement. Mais là, c'est encore l'objection de conscience. Ensuite, on passe aux États-Unis, milieu du 19e siècle, avec cette deuxième grande figure de l'histoire de la désobéissance civile, qui est Henri David Thoreau. Henri David Thoreau, c'est un type hallucinant. Il est révolutionnaire sur trois grands thèmes, et sur les animaux, il n'était pas loin. Il est d'abord révolutionnaire dans le sens où il invente la désobéissance civile, même si ça ne veut rien dire, d'autres l'avaient fait avant lui, mais... il dit, dans une société injuste, la place de l'homme ou de la femme juste, c'est la prison. Parce que sinon, c'est vous qui êtes injuste aussi. Vous participez à l'injustice. Donc il faut dire non. Et ne pas se cacher
Si je me cache, je suis un délinquant. Personne ne va s'intéresser à ce que je dis. Personne ne va vouloir m'imiter. On va penser que je le fais dans mon seul intérêt. Le délinquant, après tout, désobéit aussi à la loi. Peut le faire aussi collectivement. Peut le faire aussi de manière non violente. Peut voler discrètement. Sauf qu'il le fait dans son seul intérêt. Donc il se cache, il n'a pas envie d'aller en prison. Le désobéissant, il est fier de ce qu'il fait. Il voudrait qu'un maximum de gens le sachent, ce qu'il a fait, et surtout le comprennent, voire le limitent. La démarche est complètement inverse. Le délinquant, il ne veut pas de concurrent. Le désobéissant, il veut des gens qui reproduisent la démarche, voire qu'ils l'amplifient, qu'ils l'enrichissent, etc. La démarche. Donc, notre Henri David Thoreau, il dit à un moment, enfin, les États-Unis envahissent, attaquent le Mexique. Une guerre brutale, une guerre impérialiste, qui va se traduire par la confiscation de la moitié du territoire mexicain jusqu'à ce jour, qui vont former des États du sud-ouest américain. Henri David Thoreau, il dit, bon, au moins on ne me demande pas de faire cette guerre, je suis trop vieux, mais on me demande de financer cette guerre par l'impôt. Et moi je trouve que cette guerre, elle est injuste, alors je ne paye pas l'impôt. Et je le dis publiquement parce que je ne le fais pas pour économiser de l'argent, je suis pour l'impôt, sauf quand il finance des choses injustes. Donc je ne paierai pas l'impôt. Pendant 6 ans, on va le ficher du père royal, et la 7e année, on va le mettre en prison. Et en fait, il sort le lendemain, parce que sa vieille tante n'avait pas trop compris sa logique et a réglé les 6 ans d'impayés. Bon. Mais sauf que lui va avoir compris plein de choses. Et ça, son exemple, parce qu'il n'avait pas prévu d'être libéré. D'ailleurs, il ne veut pas se libérer, il est obligé de lui mettre des coups de pied au cul pour le faire sortir de la cellule où il est. Mais il va du coup faire des conférences dans tout le pays autour de « il faut désobéir ». Il faut savoir désobéir quand c'est nécessaire. Pas tout le monde, pas tout le temps, plutôt. Pas tout le temps, pas n'importe quand et pas pour son seul intérêt. Mais quand il y va de l'intérêt général, du bien commun, d'une question de conscience forte, eh bien nous avons le devoir, le droit et le devoir de désobéir. Il est révolutionnaire aussi sur la pédagogie, puisqu'il était institut prof, enfin, en tout cas il s'occupait d'une école d'enfants, et à cette époque on battait les enfants pour leur faire apprendre. Et lui trouvait que c'était complètement absurde, scandaleux, odieux, et considérait qu'on apprenait beaucoup mieux par le plaisir, par l'affection, par le collectif. Bref, il a inventé Freinet, Montessori et compagnie au 19e. Et il a quitté l'enseignement, enfin l'éducation nationale des États-Unis pour créer une école avec un de ses compères et faire une école dont on rêve encore un peu aujourd'hui. Il est révolutionnaire aussi sur le plan de la décroissance, puisqu'il est l'une des premières voix, non seulement à dire qu'il y a un problème avec le produire toujours plus, pourtant on est au milieu du 19e siècle, donc ils n'ont quand même pas encore tous les joujoux et les gadgets électroniques et tout ce qu'on a aujourd'hui. N'empêche qu'il voit déjà venir le fait que plus on consomme, plus on détruit la planète, plus on fait du déchet, plus on s'éloigne aussi de la nature, plus on s'éloigne de la vie réelle, du lien entre les humains. On est pris par des écrans, par des trucs entre nous, quoi, qui certes servent à communiquer, mais font aussi obstacle à une communication authentique. Et donc il va non seulement dire ça, l'écrire, mais aussi le vivre et aller s'installer au bord d'un lac, pas très loin d'un village. Il n'est pas un ermite, il ne fuit pas la civilisation et le genre humain, mais il décide de vivre dans la sobriété. Et ça, au milieu du 19e, pour dire que c'est assez novateur. Et par ailleurs, il va devenir végétarien, donc sur la question animale, il ne va pas théoriser, il n'en aura pas le temps non plus, il a quand même déjà pas mal bossé dans sa vie. Il est convaincu qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce qu'on fait aux animaux et que son rapport à la nature exige qu'on respecte aussi les autres formes de vie. Ensuite, la désobéissance, alors là, il n'est pas encore collectif, même si à un moment, Thoreau va s'engager dans une action collective de résistance qui va consister à aider les esclaves en fuite des États ségrégationnistes du Sud vers le nord où ils seront affranchis. Et ça, il va le faire en aidant à la lutte armée de quelques esclaves, notamment John Brown. Et donc, il va rentrer en désobéissance collectivement, l'assumer aussi, mais pas encore de manière non violente. Il hésite sur la non-violence. C'est Gandhi qui va découvrir Thoreau, qui va lire Thoreau en prison, pour l'anecdote. Gandhi est à ce moment-là pas encore en Inde, il est indien, mais il est donc sujet de l'empire colonial britannique, et à ce titre il se retrouve à un moment en Afrique du Sud où il y a une communauté indienne assez forte qui avait été importée pour couper la canne à sucre.
il va être victime du racisme, constater le racisme institutionnalisé qui prévaut, à l'encontre notamment de la minorité indienne et bien sûr aussi des Noirs, et va décider de désobéir, décider que c'est injuste, que ça n'est pas acceptable, et donc ne va pas l'accepter, que ces lois-là ne sont pas respectables. Et donc il va organiser, avec des dizaines d'autres personnes, des autodafés, c'est-à-dire qu'ils vont brûler des documents administratifs qu'on impose à la minorité indienne pour limiter sa liberté de mouvement, pour limiter sa capacité à changer d'employeur et donc à améliorer ses conditions de vie, etc. Bref, il va faire un acte public de désobéissance qui va lui valoir un certain nombre de séjours en prison et une victoire. Et une victoire contre le plus grand empire colonial d'alors, un régime extrêmement raciste, ça s'appelle pas encore l'apartheid, mais ça n'a guère à envier à l'apartheid qui viendra plus tard. Il va gagner, il va faire reculer le régime sur la question de la discrimination envers les Indiens. Les Noirs vont continuer de subir de plein fouet, parce qu'à ce moment-là, ils ne font pas de désobéissance civile, et Gandhi, parce que les groupes raciaux, ou les groupes culturels ou ethniques sont très séparés, on ne peut pas organiser aussi le mouvement noir. Gandhi ensuite retourne en Inde, a découvert Thoreau, a lu Tolstoy aussi. Tolstoy, c'est aussi un intermédiaire un peu entre Thoreau et Gandhi. Un original aussi, lui, chrétien et anarchiste, noble avec des serfs qu'il va libérer, il va distribuer ses terres, il va tourner végétarien, il va se mettre à défendre les animaux, à lutter pour plein de choses, et découvrir la non-violence, et théoriser un peu la non-violence, dans une logique assez spirituelle. Lire Thoreau et être un peu un passeur aussi comme ça d'idées et de pratiques qui vont arriver jusqu'à Gandhi. Gandhi ensuite en Inde va entreprendre un combat social aux côtés des travailleurs exploités dans les usines de textile et il va créer une sorte de syndicalisme d'action directe qui est le syndicalisme historique en France aussi. Émile Pouget, la CGT Première Manière, c'est du syndicalisme d'action directe. J'agis directement. De manière très largement non-violente, à ce moment les gens ne conceptualisent pas, mais c'est de la non-violence, très largement. En revanche, en face, il y a une grande violence. Gandhi va faire ça en Inde, et puis à un moment, comme vous le savez, il est connu pour ça, il va s'engager dans le combat pour l'indépendance, à partir du constat qu'on n'arrive pas à réformer l'empire colonial, on n'arrive pas à le rendre moins injuste, donc il faut en finir avec l'empire colonial, ou avec le joug colonial. Ça, c'est un petit peu les jalons. Après, on va avoir du Martin Luther King, des mouvements hippies, des mouvements écologistes, des mouvements chrétiens engagés. Dans l'islam aussi, il y a de la non-violence dans plein d'endroits du monde. Parce que Gandhi va pas mal désoccidentaliser la non-violence. Parce qu'au début, la Boétie, Thoreau, le mouvement ouvrier, tout ça c'est très occidental. Gandhi va être la première figure officielle, parce que bien sûr il y en a eu avant, des pays du Sud colonisés, à dire, ben voilà, il est possible de lutter contre les grande puissance au monde, à s'affranchir d'eux, et pourtant sans violence. Lui, il théorise la non-violence véritablement, c'est ce qu'il rajoute à tout ce qui a précédé avec Thoreau et avec la Boétie. Lui dit, Gandhi, que la chose que je vous ai dit tout à l'heure, que combattre une injustice, c'est combattre une violence, c'est pas cohérent d'être soi-même violent, d'ajouter de la violence à la violence qu'on combat. Et ce manque de cohérence, ben, ça se voit. Ça se voit et fait qu'un certain nombre de gens ne vont pas nous rejoindre parce qu'ils ne vont pas nous trouver cohérents. Donc moralement, ça ne se défend pas. Il dit aussi, je peux me tromper. Donc je n'ai pas à décider de la vie, de la mort, de la douleur, à lancer un cocktail Molotov qui peut brûler vif quelqu'un. Je n'ai pas à décider ça. Je peux m'opposer parce que je pense que j'ai raison. Mais je dois toujours me rappeler que je peux aussi avoir tort. Donc je ne dois pas commettre un dégât irréversible. Il va également se dire, tactiquement, c'est ridicule de choisir la violence. En face, ils ont les fusils. Nous, on n'a rien. En face, ils ont des armées, ils ont des prisons, ils ont de l'argent, ils ont des tanks, ils ont des drones, ils ont des armes nucléaires, pourrait-on dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec nos petits pavés, avec nos petits cocktails Molotov, avec nos petits je-sais-pas-quoi, contre toute cette force-là? Donc, tactiquement, c'est absurde. Et puis, qui va nous rejoindre? Si on doit prendre les armes, bien sûr qu'on arrivera à en trouver quelques-unes d'armes, à en voler chez l'autre, à bon, fabriquer parfois. Il va falloir un entraînement, il va falloir une sophistication, une clandestinité. Qui va vouloir ça? On va être 10, on va être 20, on va être 30. Et puis ceux-là, avec le fusil,
c'est tellement plus facile de se faire obéir avec un fusil. Il n'y a plus besoin de trop discuter, on s'habitue vite au fusil, tout va plus vite quand c'est vous qui le tenez et que c'est les autres qui sont en face. Donc à un moment, la logique du fusil, elle s'impose aussi à celui qui au début voulait libérer ses frères, ses sœurs, faire un peu de violence pour abattre toutes les violences. Ben oui, mais parfois il est rattrapé par cette logique de violence. Et puis les armes, il faut les acheter, se les procurer, et les marchands d'armes sont rarement des humanistes, donc quand ils filent des armes à un mouvement révolutionnaire, ils demandent des trucs en échange, ou ils vont leur demander si vous pouviez laisser passer la cocaïne, juste pour qu'on s'y retrouve, quoi, voilà. Et puis ça devient les FARC, ça devient des trucs qui partent dans des... Vous voyez, le message il est brouillé, la lutte de libération elle est un peu perdue, on commence à faire des choses pas propres, on ne sait plus qui, bon bref, vous voyez. Donc Gandhi voit déjà tout ça et dit il n'y a pas besoin de tout ça, on est la vraie force. À l'aïkido, c'est un de ces rares arts martiaux ouvertement non violents. Il est plus récent, il est du 19e, il est l'héritier quand même d'une tradition bien plus ancienne, mais néanmoins, c'est un art martial qui dit je ne suis pas le plus fort et je n'ai pas envie de faire mal. Mais l'autre, il est fort et il a envie de me faire mal. Je n'ai pas envie qu'il me fasse mal, donc je vais utiliser sa force pour qu'il arrête de me faire mal. Sa force, et sans lui faire mal. Donc je vais apprendre à jouer, à neutraliser sa force. Tout simple, le policier, le CRS par exemple, figure de la force, de la brutalité, il est harnaché, etc., il a sa matraque, à un moment il vous charge. Bon, le réflexe non violent classique, c'est de fuir. Le réflexe violent, qui va finir par, on va être allongé, et avec cinq de ses collègues qui vont lui taper, c'est je lui réponds, je lui fais face, évidemment face à tout ce qu'il a pour être fort. Le violent, d'une manif, il est balayé. Le non-violent désobéissant, tout ça, qui voudrait utiliser, je ne vous dis pas qu'il faut le faire et que c'est utile, mais qui voudrait utiliser la logique à la Gandhi. Gandhi l'a dit, la non-violence, c'est l'aïkido des peuples. Et bien, au moment où le policier court comme ça, avec tout son truc et sa matraque prêt, évidemment, c'est très impressionnant, il arrive comme ça. Au moment où il est à 50 cm, je me baisse brusquement, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est con, il est emporté par son élan. Et puis, je suis comme une boule dans ses jambes. Ben, il fait un beau vol plané et il va se ramasser sa force sur la figure. C'est pas moi qui lui ai fait quoi que ce soit. Moi, j'ai juste évité sa violence. Après, j'ai encore le temps de courir pour partir au cas où il ne comprendra pas le message. Mais vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas besoin de le taper si vraiment il faut se protéger d'une brutalité. Bon, c'est un exemple, mais globalement, nous, notre force à nous, c'est la non-violence, justement. C'est l'intelligence, c'est le nombre, c'est viser au bon endroit. C'est la force de la vérité, ça c'est le satyagraha de Gandhi, mais ça a un vrai effet de dire la vérité. Alors parfois, bien sûr, on n'est pas d'accord sur la question animale, bien sûr que si on vous a dit de tout le temps que la vérité c'était que l'être humain était radicalement différent de l'être animal, alors évidemment tout est permis sur l'animal. Si c'est comme le disait encore récemment le droit français, un meuble, ben évidemment que je peux casser le meuble ou jouer avec le meuble ou... Bon. N'empêche qu'à un moment, si on dit l'animal, regardez, un meuble il crie pas, il pleure pas, il souffre pas, l'animal souffre. À un moment, vous rabâchez ça, ça passe, parce que c'est vrai. Et que c'est vrai, c'est tellement contraire à la doctrine officielle, la vérité officielle, qu'elle commence à se fendiller. Je ne vous dis pas que ça suffit, bien sûr, mais cette vérité-là, elle est une force aussi. Et face aux langues de bois de nos adversaires, quels qu'ils soient, dans quelque domaine que ce soit, eux, ils ont les éléments de langage, ils ont les conseillers en communication, ils ont la cravate, le costard, ils ont les dents qui brillent, ils savent avoir l'air responsable et soucieux du bien commun avec des petits mouvements de gestes et tout. Tout ça, ils savent. N'empêche qu'à un moment, leur beau discours ne résiste pas à l'épreuve de la réalité. Et ils sont quand même obligés d'avoir l'air de défendre le bien commun. C'est la différence avec une dictature qui n'a pas de scrupules. Quoique, même les dictateurs essaient de faire oublier de temps en temps qu'ils sont des dictateurs. C'est de faire semblant d'être élus. Donc ils organisent des élections. Ils vont les truquer, mais pourquoi croyez-vous qu'ils les organisent? À la limite, si c'est pour les truquer, autant pas les organiser. Ben si, parce qu'il faut quand même faire un minimum semblant. Parce que sinon, la carapace se fendille. Les contestations naissent, la pression à l'extérieur, à l'intérieur, etc., etc. Les gens suivent beaucoup mieux les ordres quand ils y croient. Donc, nous, la vérité que nous apportons, elle peut aussi nous aider, elle est une force, elle est une arme. Elle n'est pas la seule arme, elle n'est pas suffisante à elle-même, ça serait trop beau, mais elle
elle joue aussi là-dedans. Donc dire la vérité, ça veut dire qu'on peut se passer du mensonge. Parfois on veut exagérer, on fait des raccourcis, on n'en a pas besoin. Nos mots sont suffisamment forts, ce que l'on dénonce est suffisamment réel et odieux pour qu'à un moment, l'enjeu c'est bien sûr de le faire entendre, de le faire voir, d'avoir accès au médium qui permet de toucher plein de gens, ça c'est les moyens, et c'est une vraie bagarre. Mais à un moment, toute cette vérité-là, elle a une force. C'est pour ça que les autres, ils inventent le marketing, ils inventent le packaging, ils inventent tout ce qui fait oublier que la viande est un cadavre, qui font oublier que le jouet a été fait par des enfants en Chine, que ce portable-là oblige à des enfants soldats en Afrique pour prendre le coltan, etc., etc. Donc ils vous mettent un truc qui neutralise complètement la charge sociale, environnementale et autres qu'il y a dans nos objets de grande consommation. Et bien nous, à nous de ramener les choses sur la table, de les rendre visibles. Bon, voilà la logique de la désobéissance civile, action collective, action publiquement assumée, on refuse, on commence par la non-coopération, l'objection de conscience, et puis on s'organise collectivement, on agit, et on essaie de ne pas commettre d'erreurs, de tomber, de laisser trop la place à nos émotions. Nos émotions, nos colères, c'est logique, c'est normal, on s'exprime, et quand on a face à nous les responsables de l'injustice, bien sûr qu'on va avoir envie de les détester, de les insulter. C'est parfois d'ailleurs la réaction normale quand on se sent impuissant. On insulte l'autre. CRSSS, salaud, machin. Bon, ok, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est hyper contre-productif aussi. Ça amène quoi? Ça amène l'autre à être encore plus anti-nous, à se renfermer. Et à l'image, devant témoin, on apparaît comme agressif. La colère, si elle est trop dans le laisser-aller, si elle n'est pas assez contrôlée, maîtrisée, au moins quand on est dans l'action politique, eh bien elle est contre-productive, elle fait peur, elle détourne, elle donne à penser que c'est nous qui sommes illégitimes. Ce qui n'est pas vrai. Si l'on est en colère, c'est qu'on est en souffrance. Donc il y a probablement de la légitimité. Sauf que cette légitimité ne passe pas. Donc à vous d'arriver à avoir cette maîtrise consistant à atténuer votre colère, ou modérer, ou maîtriser votre colère dans l'action, face à vos adversaires, pour que vous, vous soyez irréprochables. Pour que du coup, ce soit leur colère à eux qui explose, leur masque qui tombe, leurs mots qui dérapent, et du coup, leur illégitimité qui éclate devant tout le monde. Quand, vous voyez, quand Sarko dit ouais, descend, viens te battre, t'es un homme, il dit pas exactement ça, mais un truc de voyou comme ça, ou quand BHL, le pseudo-philosophe qui vient de se prendre sa première tarte à la crème, c'était sa première en même temps, il n'était pas habitué, mais il y en a une neuf depuis, malgré ses gardes du corps, et là il dit ouais, je vais te casser la gueule comme ça, ça fait super philosophe ça. Le masque tombe, ça lui a fait beaucoup de tort. Alors je ne dis pas qu'après il n'a pas rebondi, mais c'est des moments de vérité qu'on fait éclater quand on est dans une opposition basée sur des choses justes et qu'on ne commet pas l'erreur de tomber dans le piège de la haine, de la violence, des émotions qui l'emportent sur nous, du comportement qui dérape. Même si nous aurions toutes les raisons d'expliquer pourquoi nous sommes en colère. N'empêche que ça ne marche pas. Donc il vaut mieux être fin, être ferme pour autant, mais viser au bon endroit, là où c'est l'autre qui va déraper, qui va faire les bêtises et qui du coup va perdre la bataille de l'image, des mots, des esprits, de l'opinion publique. Et en attendant, peut-être perdre de l'argent, perdre sa réputation, perdre du temps et s'affaiblir du coup. Penser en termes stratégiques, c'est ça, je reviens au début de mon speech, c'est l'analyse véritablement des points faibles d'un adversaire. Je suis à un point A, je veux atteindre un point B, je veux gagner cette victoire politique-là, et elle peut s'énoncer de manière précise, je veux empêcher tel projet, je veux obtenir telle loi, je veux changer telle loi, etc. C'est pas je veux tout changer, c'est pas, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas forcément y arriver quand on est 10 au départ, donc très vite on s'épuise. Quand on a un objectif réaliste, atteignable, donc on peut énoncer clairement, et bien là on est sûr qu'on peut mesurer les progrès, et que le jour de la victoire, ben, on sait qu'on est dans la victoire. Cette logique stratégique impose de se demander quels sont les points faibles de mes adversaires. Et c'est là qu'on va viser. Donc si une entreprise fait du mal, elle a besoin de... elle a des points faibles. Ça peut être les communications, la circulation, les flux. Ça peut être couper l'électricité, bloquer les marchandises, perdre les factures dans un département finance. Ça peut être ternir l'image sur Internet,
mais le faire tous les jours systématiquement à plusieurs en allant pourrir l'entreprise sur tous les forums qui sont liés à son secteur d'activité. Ça peut être bloquer les encaissements, ça peut être aller dans les agences, dans les magasins. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Quand on commence à enlever les œillères qu'on a, à faire taire un peu le gendarme qu'on nous a mis dans la tête, on redevient les enfants pas trop sages, mais parfois bien rusés, que nous pouvons être, que nous avons encore peut-être au fond de nous. Et ma foi, on peut devenir vraiment fort. La ruse, l'intelligence, le rire parfois. On a fait un petit désobéir par le rire, il y a des façons épatantes de tourner en ridicule l'adversaire, pas juste pour le tourner en ridicule, mais pour justement fendiller sa légitimité. Si l'on rit de lui, c'est probablement qu'il a tort. Et donc faire rire de l'adversaire, c'est déjà l'affaiblir considérablement, l'isoler de ses amis, etc. Lui, il fait tout pour avoir l'air sérieux, raisonnable, responsable, et nous, on n'y connaît rien, on est stupide, on n'a pas le même diplôme, on n'a pas la même cravate, etc. Si vous arrivez à, et c'est la logique du clown activisme par exemple, on a aussi des stages de formation à cette technique de désobéissance. On désobéit en clown. C'est pas pour faire du spectacle, c'est pas pour faire du média, même si ça marche bien médiatiquement. L'idée, c'est du clown activisme, et c'est ce qui provoque le rire et l'impact politique, c'est que l'on pousse la logique de l'adversaire jusqu'à l'absurde. Il est pour la bombe nucléaire, et ben, parce que c'est bien, ça nous protège, et ben, alors j'en veux une aussi, moi. Je veux que tout le monde en ait une, et je viens la chercher. Et en clown, je viens chercher ma bombe nucléaire pour qu'on se dissuade entre nous, puisque c'est bien, la bombe nucléaire. Pôle emploi radie le chômeur, c'est bien de radier les chômeurs, alors je vais les aider à radier les chômeurs, et en radier plus, et je leur amène la mer, le bottin, et on... C'est absurde, ça fait rire, et tout d'un coup, on comprend ce qui se passe vraiment. Et les adversaires, ils commencent à se désunir. Certains prennent conscience, d'autres se disent, c'est vrai que si les autres se mettent à prendre conscience, on ne va pas pouvoir continuer. Et puis d'autres vont au contraire s'enferrer dans « je continue avec l'injustice ». Mais vous les divisez, donc vous commencez à les affaiblir, et c'est le début de la victoire. Ça, c'est aussi une des grandes forces de la non-violence. Si l'on déteste notre adversaire, notre adversaire c'est pas une personne, c'est des institutions, des corps, des classes, des groupes, des bons. Si à un moment c'est les policiers ont l'habitude d'être détestés. Donc ils sont souvent sous un mode de réponse ou d'anticipation face à l'agressivité qui va venir contre eux. Si nous on est au contraire dans l'empathie, je me mets à la place de l'autre et je le traite comme je voudrais qu'il me traite. Ça ne veut pas dire qu'on devient ami nécessairement, ça ne veut pas dire qu'on change de camp. À un moment où nous sommes adversaires, nous continuons d'être adversaires. Il n'y a pas besoin d'en faire une affaire personnelle. Il n'a pas choisi, ce flic-là, d'obéir à cet ordre-là. Il a peut-être choisi ce métier-là, mais il n'a peut-être pas choisi pour casser du gréviste. C'est assez rare, le policier qui a dit « oui, je me suis engagé parce que je pense que c'est important de taper sur les grévistes ». Non, en général, leur engagement dans la police, c'est plutôt d'arrêter les voleurs, de protéger les faibles. C'est qu'après qu'ils comprennent qu'en fait, il y avait une petite arnaque hein, en bas, c'était écrit « protéger les riches contre les pauvres », des trucs plus compliqués. Comprennent progressivement. Alors il y en a qui quittent, et puis il y en a qui deviennent un peu bêtes pour rester, parce qu'on veut tenir, puis il y en a plein qui sont en train de se débattre avec des contradictions. Bon, quand on les déteste, on les aide à rester soudés contre nous. Et en gros, ça rend service à qui? Ni à eux, ni à nous. Eux, ils sont sous-payés, ils ont des conditions de travail sordides. Nous, on est sous-payés, on a des conditions de travail moyennes. Ça dépend. Qui est-ce qui gagne là-dedans? Ben, les banques, les employés de banque au gouvernement, les maîtres du monde, eux ils envoient les flics et puis entre prolétaires on se tape dessus quoi, voilà. Ça c'est si vous les détestez, vous renforcez l'appareil de répression. Si au contraire la porte est entrouverte, si vous les traitez comme des humains, si vous avez le sourire, mais ça ne vous empêche pas de bloquer, d'occuper, enfin de faire chier hein, quand même. Donc le policier il arrive, vous lui rappelez que vous êtes aussi un être humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas taper n'importe comment, n'importe quand, etc. Vous lui rappelez que vous n'êtes pas son ennemi personnel. Que peut-être il n'est pas exactement payé aussi bien que le ministre, ou que l'actionnaire, ou le patron de casino, ou de je ne sais pas quelle multinationale. Bref, vous commencez à fondiller l'institution policière, le corps que représentent des collègues de travail confrontés à une opposition. Plus l'opposition est hostile, plus ils sont soudés entre eux. Plus vous êtes sympa, plus ils vont être divisés. Il va y avoir le sadique qui a des problèmes, il était battu par ses parents, tout ça. Donc lui, il va quand même être facho et vous taper dessus. Ok. Mais tous les autres, ils vont se dire, mais non, c'est pas possible. Tant ce qu'ils disent, c'est pas con, c'est peut-être vrai, et puis ils sont sympas, et puis pourquoi on les tape, et puis hier, il y avait des gens super dangereux, et on était trois, et là, on était 300, et ils sont non-violents. C'est quoi cette histoire? Et je peux vous dire que dans les commissariats, dans les paniers à salade, j'ai entendu des discours révolutionnaires.
révolutionnaire. On n'arrête que les pauvres, c'est n'importe quoi, c'est la sarcomonarchie, on fait des... Bon, donc il faut creuser ça, il faut l'encourager, il faut que ça se crie. Sinon, il n'y aura jamais de changement réel. Si on reste bon contre eux, et puis pendant ce temps-là, les autres qu'on ne voit jamais, ils encaissent les dividendes, on continuera de massacrer les animaux, et on continuera de massacrer la forêt, et on continuera de massacrer les hommes. Bref, quand il n'y aura plus rien, ils s'achèteront une île et ils vivront entre eux, puis ils se trouveront comment exploiter l'autre. Bon. Donc, il y a un moment, il faut désobéir, mais pas tomber dans les pièges de la violence. À ça, ils sont très préparés, ils ont tout ce qu'il faut pour la violence. Ils savent à quel point ça nous délégitime. Donc la première accusation quand vous dites non, c'est que vous êtes violent. Même si vous le dites juste verbalement. Il faut que cette accusation-là, ce procès en illégitimité, vous êtes violent, ça ne puisse pas marcher. Parce qu'ils vont essayer tout le temps. Normal. Dès qu'ils arrivent à convaincre l'opinion publique que nous sommes violents, c'est fini, les gens se détournent. Et vous avez besoin d'eux, nous avons besoin d'eux. Pourquoi on a gagné contre les OGM en France? En France, la France est la première puissance agricole en Europe. C'est dire à quel point l'agriculture productiviste, intensive, cruelle pour les animaux, elle est forte, puissante. C'est dire à quel point elle intéressait les multinationales de la semence, du brevet sur le vivant, donc des OGM, Monsanto et compagnie. C'est dire à quel point ces gens-là étaient prêts à arroser le monde politique pour avoir les lois qu'il faut. Et en 2008, dernière grande loi sur les OGM, deux députés de plusieurs partis différents, de deux partis différents, ont dit, on nous a proposé des enveloppes, nous on a dit non, évidemment, ils n'ont pas dit oui, enfin, ils n'ont pas dit qu'ils avaient dit oui, mais par contre on en connaît qui ont dit oui. Bon, il y a bien eu de l'achat de vote. C'est la première fois, c'est une des rares fois que ça se rendait explicite. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas plus souvent. Eh bien, on a quand même gagné. On a quand même interdit les cultures d'OGM. Tout n'est pas gagné. Il y a encore des troupeaux de soja qui arrivent pour nourrir nos animaux. Mais si on mange moins de viande, voire pas de viande, eh bien, on ne fera pas des OGM dans notre circuit alimentaire. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette invasion d'OGM, enfin, pas l'invasion, mais qui rentre en France. En tout cas, ils n'en poussent pas en France. L'environnement n'est pas contaminé. Les semences ne sont pas complètement sous la botte de quelques multinationales, etc., etc. Et on ne connaît pas les suicides de paysans comme en Inde, je vous passe les détails. Combien de gens ont dû désobéir? Comment ça s'est passé cette victoire? Au début, c'est un syndicat, la Confédération Paysanne, dont certains membres paysans s'inquiètent de ce que va faire les OGM, les organismes génétiquement modifiés à l'agriculture, et se disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils organisent quelques arrachages de plants de maïs désobéissants, publics, et ils en prennent plein la figure devant les tribunaux, pas physiquement, mais financièrement. Pourquoi? Parce que la Confédération Paysanne a de l'argent. C'est un syndicat, il a de l'argent. Elle a de l'argent. Donc le juge, pour sanctionner les faucheurs volontaires qui ne s'appellent pas encore comme ça, qui sont juste des syndicalistes paysans, et les empêcher de recommencer, eh ben, elle essaie de vider la caisse. Et la Confédération Paysanne est quasi ruinée. Donc il y a un mouvement de solidarité, on crée les Amis de la Confédération Paysanne, et puis, à la faveur d'un rassemblement sur le plateau du Larzac en 2003, Jean-Baptiste Libouban, mais aussi José Bové et quelques autres, lancent les faucheurs volontaires. Pourquoi? Pour créer un collectif qui aura une existence politique, mais pas légale, parce qu'il n'y a pas des statuts, il n'y a pas un président, un trésorier, donc il n'y a pas de caisse. Donc quand je me déclare faucheur volontaire, je vais devant le tribunal, ils ne peuvent me condamner que moi. Ils ne vont pas me condamner moi, plus une association qui a plein d'argent, qui aurait pu accessoirement prendre en charge mon amende ou mes frais de justice. Donc qu'est-ce qui se fait? Il y a une articulation entre la Confédération Paysanne qui reconstitue ses ressources et officiellement ne fait plus désobéissant, et un collectif informel qui s'appelle les faucheurs volontaires, qui va faire prendre les risques, du coup être condamné à des amendes beaucoup plus faibles. En droit français, on est condamné à hauteur de ces, à peu près, à hauteur de ses deniers, donc de sa fortune, proportionnellement à ses biens. Et si, en plus, on est membre d'une asso qui nous a demandé de faire le boulot, alors l'asso, elle est aussi condamnée à la même somme fois 5. Quand vous êtes 5 militants de L214, et L214 vous dit de bloquer un abattoir, comme j'aimerais qu'il le fasse, eh bien, vous êtes les 5 condamnés, genre à 1000 euros, je dis n'importe quoi, ce serait sûrement moins, mais disons 1000 euros, c'est plus facile à calculer, et L214 prend 5000 euros x 5. Donc, ça fait lourd, quoi.
Le mieux, c'est que les 214 disent nous comprenons la colère de ces gens et le légitime combat que nous approuvons, et d'ailleurs nous allons les soutenir. Mais ils ne disent pas nous les avons aidés à faire. C'est un soutien politique a posteriori, comme le réseau sortir du nucléaire, à chaque fois qu'un train de déchets nucléaires est bloqué. Ah, bah oui, effectivement, nous. D'ailleurs, nous étions là, mais ce n'est pas tout à fait un hasard. C'est une sorte de convergence. Et voilà, ça s'est arrêté, et nous approuvons ces gens, et d'ailleurs, nous allons mettre nos avocats au service d'eux. Il n'y a qu'une ou deux assos en France qui ont la possibilité de désobéir tout le temps, sans trop. Bon, Greenpeace, en gros, qui désobéit tout le temps. C'est une association de malfaiteurs, au sens juridique du terme. Bon, mais les juges font semblant à chaque fois de considérer que c'est la première fois qu'ils désobéissent. Parce que sinon, dissoudre Greenpeace, ça fait très mal. Il y a 3 millions de membres dans le monde, il y en a 150 000 en France. Bon, voilà. La CGT pourrait faire ça aussi plus souvent. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres. Donc moi, je vous conseille de faire vos actions en tant que collectif informel, avec un nom sympa qui va devenir un vrai objet politique. Vous pourrez signer des communiqués, les faucheurs volontaires disent que, les zéro viande disent ça. En même temps, vous aurez des associations avec de l'argent bien propre, des subventions qui, en douce ou officiellement politiquement, vous aideront. Donc ça, c'est tranquille. Bon, pourquoi je disais ça, je m'égare. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Peut-être que ça veut dire qu'il est temps que je m'arrête et que je vous passe la parole. Peut-être. On va tenter ça. Donc, merci de votre attention. Il y a un micro. Syndicalistes, ensuite ça devient le mouvement des faucheurs volontaires, un appel au Larzac. Sauf que ces faucheurs volontaires, je vous ai expliqué pourquoi ils sont nés, c'est pour protéger la conf. Sauf que il y a 7000 personnes qui signent à ce moment-là la charte s'engageant à devenir faucheur. Dans les faits, il y en a de l'ordre de 1500 qui iront vraiment dans les champs. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à vraiment entendre parler de ces actions-là. Et ce n'est pas 1500 qui vont faire l'action le même jour. Là, on aurait vraiment encore plus entendu parler. Non, c'est 50, 100 personnes, grand max, qui vont aller dans un champ, arracher tout ce qu'ils peuvent, les faire publiquement. Quand ils le font la nuit, le lendemain, ils remettent les noms des participants à la gendarmerie en disant bah, « poursuivez-nous ». Soit c'est nous qui avons tort, il faut nous mettre en prison d'être dangereux des délinquants, soit on a raison et alors vous nous acquitterez et puis vous enlèverez votre loi au passage. Cette logique très risqué, parce que détruire un champ, c'est potentiellement une amende de 100 à 200 000 euros, c'est pas n'importe quoi, un champ. Vous privez des moyens de subsistance un agriculteur, ou un transgéniculteur, c'est pas vraiment un agriculteur, ou une multinationale, ou un labo de recherche, peu importe, tous ces gens-là, ça perd des sous, ils vous en réclament justice. Et d'ailleurs, les 3-4 premiers faucheurs emblématiques ont été condamnés à de la prison et à des grosses amendes. Bon, ils en ont mis deux en prison, il y en a un qui est devenu une star mondiale. Après, ils ont réfléchi. Ils ont dit, bon, si à chaque fois qu'on en met en prison, il devient parlementaire européen, et puis leader de Via Campesina dans le monde entier, il nous fout le bordel partout, il passe à la télé, il fait de l'audience, on va arrêter de les mettre en prison. Donc, ils ont arrêté tout de suite. Le deuxième, José. En fait, les deux ont été arrêtés en même temps, donc voilà, l'autre est devenu moins célèbre, il est intéressant quand même, prenez les ailes. Après, ils se sont dit, bon, on va les avoir au porte-monnaie. Allez, Gilles Lemaire, pouf, 200 000 euros. Ouh, ils étaient 5, mais c'est lui qui devait signer le chèque. Donc, Gilles Lemaire, 200 000 euros à payer. Il avait un appart à Paris, celui où il vivait, fallait qu'on le vende, quoi, pour payer l'amende. Bon, ben, il ne les a jamais payés, les 200 000 euros. Et pourtant, ils ont été payés. Je ne dirais pas ça malheureusement, mais on aurait pu aussi faire le choix, enfin ils auraient pu, on aurait pu faire le choix de ne pas le payer. N'empêche qu'on l'a payé, mais c'est pas Gilles Lemaire qui l'a payé. C'est plein de gens qui auraient aimé être dans les champs, mais on a trouvé d'aller dans les champs, n'ont pas la possibilité d'aller dans les champs, et pendant ce temps-là ils travaillent, ils font de l'argent, ils l'envoient à ceux qui vont dans les champs. C'est ça la désobéissance civile. Vous ne gagnerez pas si vous n'êtes que 1500, mais si vous êtes 1500 à désobéir, et ben vous aurez bientôt 80% des Français qui vous suivront. Si vous êtes non-violent, si vous expliquez, si vous prenez des risques, si vous devenez des héros ordinaires, des héros du quotidien, mais des gens courageux qui se lèvent contre une injustice, et cette injustice, elle se montre, elle se prouve, elle s'explique. Vous prenez le risque d'avoir tort.
Bien sûr, nous prenons le risque d'avoir tort. Si à un moment, nous avons tort, ou si on est un siècle trop tôt, ça arrive, eh bien, on ira en prison. Et on nous oubliera, et pas de chance. Mais on ira en prison beaucoup moins longtemps que si, par contre, on a pris des armes, on a lancé un cocktail Molotov, on a tout fait exploser dans un... je sais pas quoi. Parce que là, si jamais on a raison, ben, on ira quand même en prison très longtemps. Puis si on a tort, on ira quand même en prison très longtemps. Alors que nous, si on va en prison et qu'on a tort, bon, bah, on fait un an, deux ans, c'est chiant hein, quand même, mais bon, puis on n'a pas tort, donc ça va, mais c'est pour vous dire. Donc c'est ça la logique, c'est quelques-uns désobéissent, prennent des risques, risques qui ne sont pas forcément inconsidérés, qui ne sont pas de mort, encore une fois, on est en France, dans l'état actuel du rapport de force, de conquête démocratique, sociale, etc., ils n'ont pas encore tout repris. Donc on a des marges assez larges. Il y a aussi tout un jeu de ce qu'on appelle la zone grise. Il y a les choses franchement illégales, il y a les choses franchement légales, et puis il y a tout le reste. Tout le reste parce que le code civil ou le code pénal, etc. peut pas tout intégrer, qu'ils n'ont pas pensé à tout, que l'imagination humaine n'a pas de limite, et que donc vous pouvez être taquin avec l'adversaire. Je l'ai donné en exemple à ceux qui faisaient le stage cet après-midi. Quand vous voulez faire perdre des sous à un magasin, vous pouvez vous enchaîner à la caisse, ça c'est interdit, vous allez avoir vous causez un tort immédiat et vous êtes directement responsable. On vous en demandera réparation devant les tribunaux. Donc si vous avez fait perdre les 20 000 euros de chiffre d'affaires, on risque de vous les réclamer, plus des dommages, etc. Si vous faites juste une manif ou un spectacle au milieu du magasin pour dire ce qui se passe dans le magasin, ce qu'on vend dans le magasin, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont regarder, beaucoup. Pendant ce temps-là, ils ne consomment plus. Comme leur journée ne fait toujours que 24 heures comme pour tout le monde, à un moment, ils n'ont plus le temps, ils s'en vont. D'autres s'en vont parce que vous faites un peu de bruit, que ça les emmerde, ils s'en vont. Ils écourtent leur course. Le gérant, qu'est-ce qu'il fait? L'appel des flics. Les flics, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils sécurisent la zone, c'est-à-dire qu'ils bloquent l'entrée, pour qu'il n'y ait pas d'autres camarades qui rentrent faire le bazar avec nous. Bon, ben, comme il n'y a pas de camarades qui rentrent, il n'y a pas non plus de clients qui rentrent. Et puis les derniers clients qui sont encore à l'intérieur, une fois qu'ils ont vu votre spectacle, votre show, votre manif, votre argumentaire, je ne sais pas quoi, ils voient que les flics arrivent, ils disent oh, et hop, ils filment. À la fin, le magasin est vide, il n'y a plus que vous, le gérant, et un flic qui vient dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, nous, on dit bon, écoutez, si le magasin ferme, on est samedi après-midi, de toute façon, il n'y a personne, sur les Champs-Élysées, vous fermez le volet, vous donnez le congé aux gens, et puis on s'en va, pas de soucis. Et bien, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, on n'a pas dépensé. Et puis, tous les pique-niques dans les supermarchés qu'on a fait aussi aux frais des actionnaires, pour les précaires, jamais de poursuite. Parce que l'image, on a aussi fait les courses de Noël pour les chômeurs, pour réveillonner. Il n'y a pas de raison que les chômeurs ne puissent pas réveillonner. Donc, on fait les courses dans le supermarché, et puis à la caisse, on dit ah, désolé, ben, on est chômeur, on ne peut pas payer, mais on voudrait voir le gérant. Et puis, si on est 15, qui a 15 caisses bloquées qui veulent tous voir le gérant, le gérant, il voit son chiffre d'affaires un peu avant Noël, c'est un peu le moment où il fait son chiffre de l'année. Quoi. Tous les quarts d'heure, il perd 10 000 euros. Quoi. Et nous, on n'a rien fait, on a juste eu un truc à discuter avec un gérant et une caisse. Bon, ben, il comprend vite qu'il vaut mieux laisser partir les caddies aux frais des actionnaires. Hein. Bon, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, c'est pas illégal. C'est pas légal, c'est pas illégal, c'est un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que la police peut venir, elle peut mettre fin aux troubles que vous représentez, elle ne peut pas vraiment vous poursuivre. Alors, ils peuvent chercher des noises, ils peuvent chercher un truc, bon, en gros, vous ne risquez pas grand-chose. Rien que ces marges-là, on les utilise tellement peu. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus? Pourquoi on n'est pas plus désobéissant? Ça, les grands crimes, ce n'est pas les désobéissants qui les commettent, c'est les obéissants. On ne peut pas faire un génocide s'il n'y a pas un maximum d'obéissance dans un pays. On ne peut pas continuer de massacrer les animaux s'il n'y a pas un maximum de gens qui obéissent. Les gens dans les abattoirs, ça ne les éclate pas, je pense, de tuer les animaux. Il y en a qui sont malades, qui vivent mal, qui sont... Bon, ils obéissent. Ils obéissent parce qu'il faut vivre, parce que ceci, parce qu'on leur a appris que c'était normal, parce qu'il y a tout un tas de trucs qui font qu'ils obéissent. Mais ils obéissent. C'est avec ça qu'on fait des... Un peuple libre, c'est un peuple qui désobéit. Hein. Pas n'importe comment, pas bêtement, pas... Voilà, mais qui désobéit. Bon. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je suis reparti. Oui. Comment est-ce que tu représentes alors, c'est dans les zones grises là aussi, mais de l'entre-violence et non-violence. C'est une bonne question qu'on nous pose régulièrement. C'est pareil pour le ZAP, par exemple, ACT UP à un moment, le mouvement largement homosexuel, quand il s'opposait
au laisser mourir que les institutions organisaient au début du sida, et parfois au laisser infecter avec le sang contaminé, et ben ils allaient voir les ministres ou les médecins complices de ces actions qui amenaient la mort de leurs compagnons, et leur balançaient du faux sang ou du vrai sang à la figure. Ça s'appelait des âmes. L'entartage aussi, c'est un peu limite. Effectivement, Paul Watson, Sea Shepherd, qui utilisent ces bateaux pour heurter les autres bateaux, normalement pas pour les faire couler, il le dit lui-même, il ne vise pas la vie humaine, loin de là, il se pense comme non-violent, il veut contraindre par des avaries et par une intimidation le bateau des pirates, des pêcheurs pirates ou des pêcheurs industriels, je sais pas quoi, ou des baleiniers, machin, à rentrer au port. Ça, c'est la limite. C'est la limite, c'est-à-dire que certains vont penser que c'est violent, d'autres non violent. Je peux toujours dire moi mon opinion. Chez les désobéissants, il y a plusieurs opinions, pas toutes les mêmes. Voilà, nous on a versé du sang qui n'en était pas d'ailleurs, qui était du colorant. J'espère pas d'origine animale, mais je ne sais pas où il l'a acheté. Sur la tête de Hubert Védrine. Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée, il a pour caractéristique, il n'est pas le seul en France, d'avoir participé à ce qu'on appelait le Conseil de défense restreint, qui entre 1993 et 1995 a géré ce que la France faisait au Rwanda. Et à ce moment-là, il y a eu entre 800 000 et 1 million de personnes exterminées par un plan de génocide préparé longtemps à l'avance, avec une complicité massive de la France. On a aidé à informatiser le décompte des opposants à assassiner, on a formé les milices, on a armé les milices, on a financé les... Il est dans son petit paquet-là, de gens, avec Sarkozy, avec Mitterrand, mais qui n'est plus là, avec... c'était la cohabitation. Donc on lui a versé du liquide rouge sur la tête, comme complice de génocide. Le but du jeu était que nous étions filmés par M6 et par nous-mêmes, et M6 devait le retransmettre à une émission de grande audience pour que tout le monde se demande mais pourquoi est-ce qu'ils ont versé du sang sur la tête de Védrine, et que du coup nous puissions porter une accusation publique très grave et l'obliger à nous poursuivre en diffamation. Comme ça, on aurait eu le procès qu'on n'arrive pas à avoir contre les élites françaises impliquées dans le génocide. Sauf que peut-être qu'on a été naïf. Hubert Védrine, il était très pote avec le patron d'M6, il a décroché son téléphone quand il a demandé « vous êtes de quel... de... » Il s'est pris le sang tranquille, resté très digne. Et puis, il a demandé à la caméra « vous êtes de quelle chaîne ?» M6, ah d'accord. Allô Henri, je ne sais pas comment il s'appelait, le patron d'M6, il y a un reportage là, tu pourrais me le mettre à la poubelle ? Ouais, d'accord. Oh. Dommage. Donc nos images ont tourné, on a eu 100 000 vues, on a eu quelques médias, etc. Mais enfin, globalement, ça a fait un bide, alors qu'on aurait dû avoir 6 millions de gens qui se demandent mais pourquoi Hubert Védrine est-il accusé de complicité de génocide. Je ne sais pas s'il fallait le faire, ça nous a divisé aussi après. Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est de la non-violence? Il n'y a pas de blessure. On n'a même pas jeté comme ça, parce qu'après tout, il n'est qu'une incarnation, c'est dans une autre société, le bébé Hubert Védrine sera devenu un type extraordinaire. Là, c'est devenu un bandit, mais bon, voilà, il n'a pas choisi la société qui nous a fait, nous, avec nos contradictions. Je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas un dieu qui vient dire qui doit mourir, qui doit vivre. N'empêche que je veux, à un moment, crever le mur du silence et passer l'obstacle de la justice qui ne fait pas son boulot. Donc on avait tenté ça, le débat continue, il n'y a pas de... voilà. Donc Paul Watson, moi personnellement j'aurais tendance à le faire, je suis assez admiratif évidemment, comme tout le monde un peu de Paul Watson, les actions ne me choquent pas du tout. Mais je peux comprendre que d'autres... enfin c'était un des différents avec Greenpeace, donc il est issu, hein, pas le seul, mais voilà. Après en mer, il n'y a pas des masses d'autres choses à faire, il n'y a pas beaucoup de témoins, c'est un rapport de force très direct, comme un bras de fer. Ça doit pouvoir se justifier. Mais il ne faut pas, évidemment, chez quelqu'un, il ne faut pas que le bateau coule, il ne faut pas faire... voilà, donc après, je n'ai jamais été malheureusement sur un de ces bateaux. J'ai fait un bateau Greenpeace, mais je n'ai pas fait un bateau de Sea Shepherd. Donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe concrètement, et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah. Allô. Alors, en ce moment, j'entends beaucoup parler
bon, y a eu des pétitions en fait, ouais, qui étaient faites, on ne sait pas exactement, à notre échelle, ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer les mentalités et que Bruxelles mette des lois claires? Merci de ce cadeau, parce qu'on a une campagne pour l'interdiction de l'herbicide le plus vendu au monde, qui est le Roundup de Monsanto. D'abord, il n'y a pas qu'une solution et il n'y a pas qu'un moyen d'action qui fera tout gagner. La bataille, elle est très importante, colossale, les intérêts sont très puissants, donc il faut une multitude de pressions diverses et variées pour gagner, pour espérer gagner. Il y a du lobbyisme, il y a des pétitions, il y a tous les trucs classiques qui se font et qu'il faut continuer de faire. Et nous, l'analyse que nous avons faite, c'est qu'il n'y avait pas assez de désobéissance civile dans cette campagne européenne pour l'interdiction d'un certain nombre de molécules, pesticides, herbicides, insecticides, tout ça, dangereuses. Donc on s'est dit, on a cherché, je ne sais pas, on a peut-être tort en plus, hein, mais je vous dis quel était le chemin, notre raisonnement. On s'est dit, bon, il y a Génération Future qui fait un super boulot pour détecter les molécules pourries, pour dire ce qu'elles font, amener du scientifique, faire du lobbying, tout ça. Il y a les Greenpeace qui, pendant un moment, a fait sa campagne Vigitox, a dénoncé les trucs cancérigènes dans les, a fait un petit guide sur la cosmétique que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur leur site toujours, avec toutes les molécules les plus dangereuses dans tous les parfums. Bon, bref. Donc, il y a plein de boulots intéressants. Les Verts aussi, le Parti des Verts fait pas mal de choses, un peu chez les Rouges aussi, le Front de Gauche, il y a quelques trucs intéressants ici ou là. Nous, on s'est dit, il faut qu'on arrive à obliger un acteur économique qui vend du pesticide, enfin qui vend, et qui du coup contribue à banaliser ces produits-là, puisque si c'est vendu au milieu du pain et de je sais pas quoi, ça paraît normal, légal, ça l'est effectivement, et du coup inoffensif. Donc on avait envie de tenter de faire plier un acteur, une enseigne. On a choisi une enseigne que tout le monde connaissait. On s'est dit, on va taper, concentrer le tir surtout sur elle, mais de temps en temps on se fera des concurrents à eux, et on a visé Castorama. Castorama, c'est du bricolage et du jardinage, ils vendent donc beaucoup de Roundup. On a fait plein d'actions dans des Castorama, et puis on a visé aussi quelques autres enseignes, et plus récemment on s'en prend à Carrefour, parce que pour différentes raisons, on continue avec Casto, mais on attaque aussi Carrefour. Bref, il fallait des enseignes que tout le monde connaisse, où on peut trouver du Roundup, et qui ont besoin d'une bonne réputation vis-à-vis de clients. Donc on a essayé de les embêter. Et les embêter a consisté à mener à plein d'actions. Donc on a tout mis plein de Roundup dans des caddies, on met deux caddies, on enchaîne tout ça, et on laisse ça au milieu du magasin, on explique à tout le monde pourquoi ça, il ne faut vraiment pas l'acheter, et ça tombe bien, personne ne peut, puisqu'on a mis des cadenas et tout. On va aux caisses avec plein de produits, on dit on veut parler au gérant, parce qu'on s'est aperçu que vous vendiez des trucs qui empoisonnent les gens, font des malformations du fœtus, c'est pas possible, ça doit être une erreur, on joue au con. Bon, pendant ce temps-là, on bloque 3-4 caisses. On a mis plein d'autocollants aussi sur tous les produits, dans plein de magasins, bon, etc. On a fait des manifs dans le magasin pour qu'il y ait un peu l'enchaînement que j'ai décrit tout à l'heure. À chaque fois, on fait des speeches, on va aux caisses, on fait bon. On a fait une pétition en ligne, bien sûr, on a eu 25 000 signatures, bon, voilà. Il y a eu des actions décentralisées, on les a poussés à la faute. Et du coup, ils sont tombés dans le piège, un peu plus rudement que nous l'espérions. On a fait des actions en clown aussi, où on allait tuer la dernière abeille, donc on prenait tous du Roundup, et puis il y avait un clown abeille qui se planquait partout dans le magasin, et on courait tout partout, et on disait « Oh, si, il y a encore des trucs qui vivent là, vive, vive, vite, il faut tout tuer, bon, ouais. La dernière abeille, tiens, François, c'est du bon. » Ça, on s'éclate, mais ils n'ont pas toujours aimé notre humour, et bizarrement, des vigiles ont été un peu embêtants, mais dans un Castorama, un seul, où nous sommes allés trois fois quand même, les deux premières phases étaient très très mal passées. On s'est fait taper par des fous, des vendeurs qui ont vraiment pété les plombs littéralement. Et du coup, c'est chouette parce qu'on a,
sur le coup, c'est pas drôle du tout, hein, mais après, on est en procès. Pour moi, c'est la direction nationale qui est obligée de nous recevoir, ils ne voulaient pas depuis le début. Bon, il y a tout un processus, un rapport de force qui est en train de changer, parce qu'on les a poussés à la faute. Chez Carrefour, c'est très intéressant parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait chez Casto. On n'avait jamais attaqué Carrefour, mais ce n'est pas un gros vendeur de Roundup. Mais en vente. Et ils nous ont appelés en disant nous, on a une démarche, développement durable, blablabla, on aimerait bien vous travailler avec nous. C'est bizarre, mais bon, allez, on laisse la porte entrouverte, on est non violent, empathie, tout ça, on y va. Et là, ils nous disent bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, ça, c'est vraiment bizarre. Non, pas d'argent. Non, on leur a dit bah, on aimerait bien que le Roundup soit interdit, soit déréférencé de Carrefour. Et on peut comprendre que vous ne le fassiez pas d'un coup, parce que bien sûr, vous avez des enjeux de clientèle, machin, tout ça. Bon, ok, on fait un plan de 3 ans. Dans 3 ans, il n'y a plus un Roundup de vendu. Et tous les 6 mois, il y a des magasins, des régions entières qui n'en vendent plus. Parce qu'il ne faut pas nous dire, on attend 3 ans, dans 3 ans, il y aura un miracle. Non, parce que là, si dans 3 ans, on changeait d'avis, on sait tous, mais à voir. Donc, voilà, un vrai rétro-planning de déréférencement progressif, mais rapide quand même, de ce truc. Là, ils disent, oh, oui, mais ça va être compliqué, tout ça, mais d'accord, dans 3 ans, mais bon, mais d'accord, on va y réfléchir, blablabla, bon. Et on leur dit, bah, on voudrait aussi les statistiques, combien ça vous rapporte, qui vous fournit, comment ça marche. On se dit, ça nous servira au cas où ils changeraient d'avis, on ira les faire chier, on aura les infos. On prend tout ça. Bon, et puis on aimerait bien, comme c'est Monsanto qui vous les vend, peut-être on pourrait aller ensemble à un rendez-vous chez Monsanto. Comme ça, peut-être qu'ici à Carrefour et notre petit collectif, qu'on tient un discours un peu commun, peut-être que les autres en face, ben, le Roundup, ils sont peut-être obligés de faire quelque chose, je ne sais pas, pour avoir une bonne surprise. En tout cas, si on y va que nous, en fait, ils ne veulent pas nous recevoir comme ça. On ne leur a pas demandé, hein, ça ne prend même pas la peine, mais bon. D'autres, ils sont allés avant et sont restés à la grille. Et en fait, ben, ça, c'était il y a un an, et puis depuis un an, ça a très peu avancé. Au début, on est reparti, on s'est dit, mais c'est. Bon, c'est une stratégie capitaliste intelligente qui consiste pour Carrefour à la jouer à fond bio, développement durable, pour se distinguer des autres. Et on se dit, bah, tant mieux, on va jouer cette carte-là, on va les aider à faire mieux que les autres, puis ensuite on va aller dire aux autres, bah, vous voyez, ils le font, vous avez intérêt à le faire, sinon on va vous embêter vous. Bon, ça avait été une stratégie de Greenpeace contre les OGM. Pendant que les faucheurs fauchaient, Greenpeace avait envoyé les détectives OGM, des militants qui allaient dans les magasins repérer les produits où il y avait les OGM, et puis ensuite, ils tapaient tout le temps sur Carrefour. Et un jour, Carrefour a compris, a enlevé tous les OGM, et ce qui a été un peu surprenant et très agréablement surprenant pour plein de gens, y compris Greenpeace, c'est qu'ensuite, Carrefour est allé voir tous ses concurrents en disant « Bon, nous, ils nous ont fait chier, on ne peut plus vendre des OGM, bah, vous allez nous faire plaisir d'enlever vos OGM. » Et en fait, les autres ont enlevé les OGM. Donc il y a des histoires entre eux, qui font qu'à un moment, le gros peut convaincre les un peu moins gros de faire un peu la même chose. Donc, bon, bah là, on se dit, bah, si maintenant on se dit, bon, Carrefour, ils nous ont promis plein de trucs, puis il ne se passe pas grand-chose, donc on leur a remis un peu de bazar là, récemment, il y a une semaine, je ne sais plus, on a bloqué les caisses, tout ça, avec le Roundup et tout, on a filmé, machin, bon. Et là, du coup, bah, on a de nouveau un rendez-vous, à la direction internationale, hein, quand même, pas les rigolos, mais où on leur dit, bon, en gros, là, c'est la réunion de la dernière chance, vous n'avez pas de nous refaire une belle histoire, c'est où il y a des résultats dans les 3 mois, où c'est fini, quoi. Ça, vous devenez notre cible privilégiée, quoi. Et pourtant, on n'est rien, hein, on est 10, 15, 20 à chaque action, c'est que dalle. Donc, ils pourraient vivre avec ça, hein. Mais non, ils ont besoin de soutien. Là, il y a eu un couple spontanément, je l'ai raconté tout à l'heure, ils sont, numéro 2 du magasin, c'est un énorme magasin, c'était en banlieue parisienne, donc gigantesque sur 3 étages, le monde rêvé de Carrefour. Le numéro 3, il arrive, après qu'on ait eu les cow-boys, les bichets, tout ça, mais on est toujours là, on bloque le truc. Le numéro 3, il arrive, il essaie de nous convaincre, tout ça, et puis il y a un couple là qui faisait la queue dans une autre caisse, qui a entendu notre speech, tout ça, qui repère que ce gars-là, c'est un des gens de la direction, et vient lui dire. Mais c'est vrai que vous vendez ça, mais en fait, on ne savait pas, nous, mais c'est n'importe quoi. Mais nous, on n'achète plus chez Carrefour, voilà nos courses, tout ça. Non, ça, ils sont partis. Ils auraient payé pour faire ça, ça n'aurait pas été aussi bien. Donc, puis après, on a été reçus par le numéro 1, et puis bon, voilà. Bref, mais on pense que ce sont parfois des colosses au pied d'argile. Par exemple,
Carrefour a été aussi embêté par la campagne Boycott des investissements sanctions. C'est une campagne internationale contre l'occupation de la Palestine qui copie le modèle de la campagne contre l'apartheid autrefois en Afrique du Sud, avec du boycott des produits autrefois sud-africains, aujourd'hui israéliens. Et Carrefour vend des produits israéliens. Il vend des produits israéliens sous étiquette israélienne et il vendait justement des produits marque Carrefour, qui sont peut-être 20% de son chiffre d'affaires, c'est assez important, qui pour partie venaient, notamment les jus de fruits, d'autres trucs, d'Israël, et étaient parfois produits directement dans des colonies par une manœuvre semi-captive, etc. Et bien, ils ont eu plein d'actions à Carrefour. On en a fait plein, on a fait des actions de boycott, on fait le bordel devant, on fait le bordel dedans, on stigmatise les produits, on les mélange, on dit aux gens, voilà, bon. Et bien Carrefour a enlevé tous ses produits israéliens de marque Carrefour. Ils n'ont pas encore cédé sur tout, mais ceux-là, ils ne s'en sont pas vantés. Et en fait, même nous, on l'a appris incidemment. Ils ont dit, on ne peut pas le dire officiellement, sinon c'est Israël qui va nous emmerder. Mais on l'a fait parce que vous nous emmerdez. Voilà. Donc c'est pas mal ça, parce que par contre, Israël perd des sous. Ça, c'est toujours intéressant. Il y a eu un autre truc sur le chalutage de grands fonds aussi. Le massacre des fonds des océans, etc. Ben Carrefour, à un moment, ils ont appelé Intermarché, qui est la flotte principale, qui alimente aussi Carrefour, et ils ont dit, nous, on ne veut plus un poisson en dessous de, je ne sais plus, 600 mètres et tout ça. Et ben les autres, ils ont été obligés de le faire. Et Carrefour l'a fait parce que les gens ont mis la pression, Greenpeace notamment, mais d'autres, les animateurs, machin, truc. Bon. Donc, ils peuvent céder. Parfois, ils peuvent même rebondir et s'en servir d'image, mais ils sont partagés. Là, en fait, Carrefour comme Castorama, ils ont tenu le même discours en disant « C'est vrai, vous avez raison, mais c'est pas bien. Regardez toutes les alternatives qu'on développe. On fait des supports, on met des machins, on met tous les trucs. » Et nous, on leur dit « C'est super ce que vous faites, c'est vrai, des trucs naturels, machin, super. Mais il y a toujours les pesticides à côté. » Alors les gens, ils comprennent quoi? Ils comprennent qu'il y a plein de produits et que s'ils sont tous là, c'est que ça va. Et donc, ils prennent celui qu'ils connaissent, c'est le Roundup. Donc, toute votre propagande pour nous changer, faire évoluer les mentalités, c'est détruit par le fait que vous continuez à vendre des trucs dangereux. Donc, arrêtez de nous prendre pour des idiots et juste de segmenter le marché. Vous voulez en gros que les écolos, ils achètent écolo à Carrefour, et que les anti-écolos, ils achètent pourri à Carrefour. Ça, tout le monde achète à Carrefour. C'est une pure logique d'actionnaire. Donc, ne nous prenez pas pour des jambons, des pigeons, je ne sais pas. C'est toujours des métaphores animales. Et puis voilà, enlevez vraiment les trucs pourris et puis soyez vertueux jusqu'au bout. Bon, voilà. Oui. Avant d'entamer, avant de mettre en œuvre des actions comme celles que tu décris là par rapport à Castorama qui sont, j'allais dire, violents. C'est un magasin, enfin, les autres non. Ils sont, on va dire en tout cas, enfin, spectaculaires et très embêtants. Oui. Est-ce que vous vous assurez que vous-même ou d'autres structures sont d'abord passés par la méthode information, sensibilisation, oui, négociation, de façon, on va dire, douce, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'a fait Carrefour par rapport à vous, y aller d'abord, on va dire... Toujours. On donne toujours une chance à l'adversaire. Et sans naïveté, sans perte de temps, mais en l'occurrence sur la question des pesticides, on avait l'expertise de Génération Future, qui est l'association contre ces produits-là. Donc, on a gagné du temps sur notre propre auto-formation. Ensuite, nous avons contacté l'adversaire que nous avions choisi, les directeurs de plein de la direction nationale de Castorama. On leur a écrit en disant qu'on aimerait bien être reçus pour discuter du déréférencement possible d'un certain nombre de produits dangereux chez vous. Pas de réponse. On a écrit, pas de réponse. Et bien là, on envoie les magasins et après on a été reçu. Et puis ça n'a pas suffi, donc on y retourne et puis voilà. Mais oui, il faut toujours faire semblant au moins. Je veux dire, par exception, on peut avoir des gens bien en face. Des gens, ce serait un affreux malentendu, ce serait ceci, ce serait cela. La plupart des temps, ce sont des gens qui sont dans un certain degré de cynisme. Ça ne veut pas dire que ce sont des crapules finies, pas tous, mais ce sont des gens qui gèrent leurs contradictions, comme nous tous, mais leurs contradictions, à un moment, nous posent problème. On a tous, personne n'est pur ici, on paye des impôts et avec nos impôts, ça finance tous les trucs qu'on déteste. Donc il y a peu de gens qui sont résistants à l'impôt complètement. Et si vous n'en payez pas parce que vous essayez, vous n'avez pas le choix, vous êtes pauvre, vous en payez quand même avec la TVA. Vous ne volez pas, parce que sinon il faudrait voler en plus.
Bon, bref, c'est pas possible d'être pur à 100%. On ne vient pas dire aux gens comment être Jésus ou je sais pas quoi, des figures mythiques. On vient juste, et donc on ne juge pas non plus, on ne condamne pas par avance la personne qu'on a en face de nous. Ça reste un humain avec ses contradictions, avec son histoire, avec voilà. Si cette personne avait les mêmes chances que moi, ben elle serait moi, peut-être. Et si j'avais eu les mêmes mauvaises chances qu'elle, ben je serais elle. J'aurais fait les mêmes bêtises ou les mêmes dégâts, les mêmes bon. Donc moi je juge plutôt une société qui va mal, des structures, des effets collectifs, et après je me confronte à des individus. Bon voilà, c'est parce que c'est eux qui incarnent à un moment une injustice ou un mécanisme insupportable, mais j'en fais pas une affaire personnelle. Donc voilà, je leur donne toujours une chance de changer, de faire un pas vers nous, de céder quelque chose. Puis j'ai conscience du rapport de force. Quand on est tout petit, on ne peut pas obtenir la lune. Donc je prends ce que je peux obtenir. Puis avec ça, je construis pour. Et dans Désobéir pour les animaux, parce que cette petite collection de bouquins Désobéir, on a essayé de collecter en fait toutes les pratiques de résistance qui nous semblent efficaces dans plein de domaines de lutte. Donc il y a désobéir pour l'école, désobéir au sexisme, désobéir à ceci, à cela, et le dernier, c'est désobéir pour les animaux. On voit tout ce qui a marché dans la protection animale, dans les anti-corrida, anti-chasse, anti-machin, il y a plein de trucs qui ont marché, et on ne le sait pas assez. Et donc, faisons-le savoir, et imitons-le, reproduisons-le, puisque ça marche. Pourquoi est-ce qu'il faut réinventer l'eau chaude alors qu'il suffit de copier ce qu'on fait les autres et qui marche? Dans certaines régions, ils ont sauvé des maternités qu'on voulait fermer, et ben voilà, les Bretons, ils ont un truc pour sauver une maternité, ben faisons pareil. Dans d'autres endroits, les profs, ils ont saboté tout un tas de contre-réformes anti-service public, et ben comment est-ce qu'ils ont fait? Dans tel endroit, on a réussi à faire reculer l'injustice sur tel aspect, et ben faisons-le. Et on reprend les quelques victoires de 214, de ceci, de cela, voilà, parce que... Oui, toi, tu es d'être malsain, bien sûr. Bon. Quelle heure est-il? 21h49. Si vous voulez qu'on continue jusqu'au bout de la nuit, c'est possible. Mais c'est vous qui voyez. Après, on peut finir de manière informelle autour de la table, autour du bar, je ne sais pas où. Ouais. Je veux pas de me maudire. Tout le monde va te maudire, les gens ils sont polis, ils ne pensaient qu'à partir là. Et... Ils se diront qu'ils ne sont pas chez nous. Très brièvement. Qu'est-ce qui, par rapport au combat, par rapport à la Palestine, contre Sarkozy, contre la Nouvelle-Pélène, contre quelque chose comme ça. Est-ce que qui décide? Est-ce que c'est parce que c'est il y a le mouvement par rapport à la désobéissance de manière générale qui pourrait même à la limite intéresser les chasseurs, enfin, même, ouais. Enfin, ceux pour qui on... Ah, mais chasseurs désobéissants derrière. Il y a la question pédagogique sur la forme et sur le fond. Qui décide chez vous des combats et de la défense? En gros, les quelques groupes qu'on a, on n'en a pas beaucoup, décident entre eux. Indépendamment des autres groupes, on est tous sur un même engagement suffisamment vague, mais suffisamment précis, qui est intermondialiste, donc ça évite l'extrême droite, le racisme, des trucs comme ça. Les gens décident en conscience ensuite. Donc typiquement sur Israël-Palestine, on a de temps en temps des militants, des militantes, qui nous disent non parce qu'en général ils sont d'origine juive, ils ont de la famille là-bas, c'est compliqué, etc. Ils sont pas à l'aise avec ce sujet, pas de souci, vous ne le faites pas. Voilà. Sur la protection animale, on a quelques militants qui ne sont pas convaincus encore complètement que le sort des animaux importe. Donc bah, ceux-là, on ne leur jette pas la pierre, on essaie de les convaincre, on a en permanence des échanges très riches, et puis s'ils ne veulent pas aller à cette action-là, ils ne vont pas, puis tout. Voilà. On travaille les convergences, nous. Et on essaie déjà de faire avec notre diversité tout de suite parce que le rouleau compresseur arrive. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de comment se structurent ces groupes de désobéissance, qui en fait partie, quels sont leurs motifs, que c'est des gens qui viennent un peu. Alors, bon, c'est difficile de parler de tous ceux qui désobéissent parce que moi je peux vous parler, bon, je peux vous parler de plein de monde, mais je peux
peux vous parler de notre mouvement qui s'appelle les désobéissants, mais on est loin d'être les seuls à faire de la désobéissance. Donc, c'est difficile de mettre un peu tout le monde dans la même... nous avons des pratiques communes, nous avons plein de valeurs communes, d'adversaires communs, mais on a des logiques de fonctionnement, des choses différentes. Le collectif des désobéissants, il a en gros un tout petit noyau de permanents et une grande liste de militants à la carte. Et ça se voulait comme tel. C'est-à-dire que ce que nous voulions, c'est diffuser des outils au travers de stages pour que les gens s'approprient ces outils, retournent dans leur lutte respective, leur mouvement s'ils en avaient, ou créent du lien à l'issue du stage ou d'un mouvement à l'autre, peu importe, que restent entre nous tous des liens de solidarité, mais pas forcément des liens organisationnels. Donc on n'a jamais vraiment encouragé les gens à former à l'issue de nos stages des groupes de désobéissants, s'appelant comme tel, relevant de notre mouvement. Certains l'ont fait spontanément, on leur a pas non plus dit non, évidemment, on est content, mais à la limite, on s'en fiche, l'important c'est qu'ils passent à l'action. Et dans ce cadre-là, le passage à l'action peut se faire de multiples façons. Voilà, il y a des gens qui viennent sur nos stages qui sont déjà deux mouvements. Là, aujourd'hui, on a du Animal Zaz, par exemple. Est-ce qu'Animal Zaz a fait de la désobéissance civile ou va faire de la désobéissance civile, va structurer un vivier plus large de gens désireux de faire de la désobéissance civile sur la question animale ou sur des questions plus larges? Voilà, j'en sais rien. Voilà. Nous, je sais comment on fonctionne. On laisse émerger des groupes qui sont très largement indépendants, reliés entre eux par des liens de solidarité, mais indépendants. Il y a un site internet commun qui permet de donner un tout petit peu d'homogénéité, mais elle est minimale. Les groupes locaux des désobéissants, on n'en a pas beaucoup, ça dépend des moments. Là, on en a trois. En plus de Paris. Qui sont donc des mouvements, des groupes autonomes qui vont donc pas nécessairement utiliser l'outil internet central, le site dénommé.net, mais qui peuvent s'ils le veulent. De même que chacun est invité à développer ses ressources matérielles s'il estime qu'il en a besoin. Donc les stages qui sont à prix libre génèrent quand même en général un bénéfice qui peut nourrir des actions, voire payer des amendes. Et puis après, on se rend service. Donc le groupe Damien, il vient régulièrement à Paris ou à Tours, où il y a aussi un groupe actif. On s'entraide. Et puis de temps en temps, on va plus loin. Il y a eu un groupe ici, en fait, à Strasbourg, qui a duré genre 8 mois, qui a éclaté en plein vol. Ils ont préparé comme des dieux, j'allais dire, la mobilisation contre le sommet de l'OTAN début 2009. Qui était quand même un sacré moment. Ils ont fait des entraînements dans la rue, ils ont machin pour montrer aux gens qu'on pouvait bloquer de manière non violente un sommet. Ils ont fait ça pendant les quelques mois qui précédaient le sommet. Et puis ils ont fait sur le village alternatif qui était, je ne sais plus dans quel quartier populaire ouais, je ne sais plus. Il y avait donc on était 5000 à peu près sur ce village la semaine qui a précédé l'événement, et on a animé plein d'ateliers de formation à désobéissance. Et puis on a été 2000 à bloquer véritablement la zone orange pour essayer d'empêcher le maximum de délégations d'aller faire le complot contre la paix que représente l'OTAN à Strasbourg à ce moment-là. Et le groupe, on a eu quand même une assez grande violence policière, quelques personnes ont vécu ces mois tellement intensément et cette semaine-là tellement brutalement que le groupe a disparu quasiment le lendemain. Il y en a qui sont repartis militer ailleurs quelques mois après, mais ça a été trop fort, trop vite, trop... Voilà. Pas une vie, hein, de militer. Mais si, un peu quand même. Mais bon, bref, voilà, il y a des périodes... Bon, je vous libère, parce que je vais partir. J'ai peut-être une petite question subsidiaire. Ah. J'ai pu évoquer le problème. Ouais, on dit que c'est vraiment la dernière. Ok, merci. Que penses-tu de l'attitude de Dieudonné? Dieudonné, malheureusement, est le signe des temps. Il a commencé antifasciste, il est devenu facho.
antisémites, et la haine est en train de structurer, la haine de l'islam ou la haine du juif est en train, donc l'islamophobie ou l'antisémitisme sont en train de structurer des milieux qui servent la soupe à un parti, et ce parti n'a jamais été aussi près du pouvoir, et Dieudonné malheureusement avec son origine et son humour ramène plein de gens qui sont dans une certaine confusion intellectuelle ou des gens qui n'ont pas de culture politique mais une grande colère en eux, et cette colère elle est légitime, et il leur désigne la mauvaise cible et en fait au moins des électeurs, sinon des agents du racisme, de l'exclusion, de tout ce qu'il y a. Donc c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe, Dieudonné. Tu penses qu'il s'attaque plus... Et Soral aussi, mais Soral est plus classique, mais les deux sont des catastrophes. Un million de vues pour l'un, 500 000 pour l'autre, c'est une catastrophe. Nous avons l'honneur d'avoir été critiqués par Dieudonné. Mais bon. Oui, j'avais vu cela, ouais. Mais tu penses qu'il s'attaque. Que son combat, c'est contre les juifs ou contre les sionistes? Non, c'est pour lui. C'est pour lui son combat, il s'en fout comme de l'an 40 de la Palestine, et par contre il est antisémite clairement, donc les juifs sont un problème pour lui, il y a un complot, mais la Palestine il s'en fout comme de l'an 40. Il a été dans le temps pour la Palestine, comme il a été de gauche, antiraciste, quelqu'un de bien quoi, mais il a largement changé malheureusement, et il n'en a plus rien à faire, la Palestine, il fait rien pour la Palestine. Moi je suis pour le coup très investi dans la cause palestinienne, je peux dire qu'il n'y a pas de Dieudonné, il n'y a pas de dieudonisme, et il n'y a rien. Après lui il dit les sionistes, que nous on dit aussi, nous on dit les sionistes, c'est-à-dire ceux des Israéliens, voire de Français ou d'autres, juifs ou pas juifs, qui sont pour une certaine politique coloniale israélienne, et nous travaillons bien sûr avec des juifs israéliens, enfin des israéliens juifs, évidemment, éventuellement arabes, c'est plus logique, c'est plus facile avec les arabes bien sûr, mais les juifs israéliens pour la paix, eh ben, ils se dérouillent. Mais on travaille avec eux, c'est pas le fait d'être juif qui fait qu'ils rendent crapuleux. Il y a des crapules dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Bon. Mais Dieudonné utilise ou dévoie le mot de sioniste pour cacher, pour dire juif. Quoi. Voilà. Et il se lâche dans plein de pays, et donc on a aussi des vidéos où il fait pas du tout rire, où il dit des trucs horribles, et très clair. Enfin, voilà, il est devenu cinglé, quoi. Parce que c'est une pathologie, hein. Je ne veux pas le Front National derrière lui. Pardon. Le Front National derrière lui. Il y a derrière lui, François, c'est plus compliqué, mais oui, puisque son bébé a été parrain Jean-Marie Le Pen. Il est passé à l'extrême droite. Alors après, dans l'extrême droite, leur fonds de commerce, il y a des stations, ils arrivent quand même à se détester entre eux aussi. Mais à la fin, si le FN passe, ils vont tous aller manger la soupe. Et ils contribuent tous à la victoire du FN. Donc on est en danger. Et Dieudonné nous a vraiment pas rendu un service. Parce qu'il est en train de rendre une partie de la population parmi celles qui souffrent le plus du capitalisme. Il est en train d'en faire une force qui va renforcer, en votant le FN, le pire dans le capitalisme. Ils divisent pour mieux régner. Ils divisent, ouais. Ah ouais. Bah oui. Le raciste est un imbécile qui se trompe de colère, ou un malheureux qui se trompe de colère, ou un salaud qui se trompe de colère, enfin bref, mais en tout cas, voilà. Bon. Et en plus, il a du talent et ça fait chier, parce que Coluche avait du talent et était plus utile que, même s'il avait ses contradictions aussi, mais Dieudonné a du talent et voilà, justifie le pire. Bon, mais sinon, tout va bien. Donc, au revoir. Merci.